Bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, dans le cadre de notre cycle d'auditions en lien avec les états généraux de l'information, nous recevons aujourd'hui trois professeurs de droit pour une table ronde sur les adaptations du droit des médias aux évolutions les plus récentes du secteur. Et je souhaite donc la bienvenue en notre nom à tous et à toutes à M. Tristan Azzi, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mme Alexandra Bensamoun, professeur de droit privé à l'Université Paris-Saclay, et Mme Camille Broyel, professeur de droit public à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Monsieur Tristan Azzi, vous qui êtes spécialisé notamment en droit de la propriété intellectuelle, pourriez-vous nous présenter un premier bilan de l'application de la directive européenne de 2019 imposant aux plateformes la rémunération des ayants droit pour l'utilisation de leur contenu? Et je souhaiterais savoir ce que vous pensez des accords signés entre les groupes de presse et les géants du numérique et quelles sont les évolutions qui vous semblent à terme envisageables ou souhaitables pour intégrer les développements technologiques récents dans une juste approche des droits d'auteur et des droits voisins. Madame Alexandra Bensamoun, vous avez été membre de la Commission sur l'intelligence artificielle mandatée en septembre 2023 par le président de la République et qui a présenté son rapport le 13 mars dernier. Et donc, effectivement, nous aimerions vous entendre nous exposer les problématiques spécifiques liées à l'IA et les principales conclusions et préconisations de la Commission sur les effets du développement de l'intelligence artificielle dans la sphère informationnelle. Et je pense notamment à la recommandation 21 visant à faciliter l'appropriation et l'accélération des usages de l'IA dans la culture et les médias pour limiter la polarisation entre grands groupes et petits acteurs et lutter contre la désinformation. Et j'ai encore quelques dernières questions qui vont s'adresser à Mme Camille Broyel, dont les travaux portent plus particulièrement sur la régulation des médias. Vous organisez d'ailleurs prochainement à la Sorbonne un colloque sur le sujet du pluralisme dans les médias. Et j'aurais souhaité vous entendre, si c'est possible, sur une analyse de la décision du 13 février 2024 du Conseil d'État suite à la saisine de l'association Reporters sans frontières. Et si vous pouvez nous dire quelles sont, selon vous, les difficultés d'application ou non posées par cette décision pour l'autorité de régulation et, si difficultés, comment les surmonter. Donc voilà, je vous ai posé quelques questions, mais auxquelles vous pourrez répondre dans le cours du propos. Je vais vous laisser 7 minutes à chacun pour un propos liminaire et ensuite mes collègues poseront des questions et vous pourrez y répondre. Donc vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite sur les questions posées. Voilà. Donc par ordre alphabétique, Monsieur Azzi, c'est vous qui commencez. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, voilà. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, pour commencer, je tenais à vous remercier de m'avoir convié à cette audition et de pouvoir discuter avec vous de ces questions très nombreuses et, à la vérité, passionnantes dans le cadre des états généraux de l'information. Ensuite, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais c'est de ma faute si la réunion a commencé à 9h et non pas 9h30, parce que je dois vous quitter absolument impérativement à 10h30. J'ai un cours magistral avec un énorme amphi qu'il est absolument impossible de déplacer, donc je partirai discrètement. Et donc, encore une fois, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Alors, le sujet est très vaste. Beaucoup de points à évoquer, me semble-t-il. Et en tant que spécialiste de droit de la propriété intellectuelle, je vais réduire le périmètre de mon intervention et des réponses aux questions à ce que je connais, c'est-à-dire le droit de la propriété intellectuelle et plus spécialement, je pense, le droit d'auteur et les droits voisins. Je ne crois pas utile en introduction d'insister trop longuement sur l'évidence selon laquelle Internet et plus généralement les technologies numériques ont bouleversé le secteur des médias et ont bouleversé la propriété littéraire et artistique, droit d'auteur et droit voisin. Et je ne crois pas utile non plus d'insister trop longuement sur le fait que l'Internet de première génération des années 1990 est aujourd'hui complètement dépassé et les technologies numériques actuelles n'ont plus grand-chose à voir avec ces débuts et ces balbutiements de l'Internet. Pourquoi cela? Parce que la technique a progressé constamment, ce qui a encore décuplé les facultés de reproduction et de communication au public des œuvres de l'esprit et des contenus qui sont protégés par les droits voisins. Parce que, parallèlement, l'accès des citoyens à Internet et plus généralement aux technologies numériques s'est aussi considérablement développé. Et enfin, parce que ça a permis l'émergence de nouveaux prestataires de services avec des fonctions et des moyens différents. Nouveaux prestataires de services qui sont des intermédiaires dans la diffusion des œuvres et des contenus protégés par les droits voisins. Et nouveaux prestataires de services qui...
engrange des revenus très importants grâce à cela, sans toujours les partager avec les principaux pourvoyeurs de contenu, c'est-à-dire les auteurs et les titulaires de droits voisins. Se pose la question du partage de la valeur, c'est l'expression consacrée, qui est censé avoir été mieux assuré depuis notamment une directive de 2019, mais pour l'instant, sa transposition a eu lieu, ses débuts d'application ont lieu. Il n'est pas certain qu'elle donne entièrement satisfaction. En tout cas, je pense que ce sont des questions dont on va discuter. Alors, en se limitant ainsi à la propriété littéraire artistique, les questions sont vraiment très nombreuses et je pense que, sans prétendre vraiment aucunement à l'exhaustivité, j'en ai retenu certaines, alors qui correspondent aux questions que vous m'avez posées, et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu extérieures à cela, mais qui me semblent importantes dans le cadre des états généraux de l'information. Alors, la première question, évidemment, c'est le sujet, mais c'est certainement pas moi qui vais en parler, en tout cas à titre liminaire, c'est évidemment l'intelligence artificielle, des difficultés en aval, des difficultés en amont. Alexandra Bensamoun, ma chère collègue, vous en parlera plus longuement que moi. Deuxième sujet, la présidente l'a évoqué, l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, qui vise précisément à permettre un meilleur partage de la valeur entre les plateformes de partage et les différents titulaires de droits, transposé en France en 2021 et dont l'application commence et dont il faudrait s'assurer qu'elle donne satisfaction, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Autre élément qui est tiré de cette directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et qui me semble vraiment très important ici, peut-être plus que le précédent parce que ça concerne très directement le secteur des médias et de la presse, il s'agit du nouveau droit voisin qui a été consacré au bénéfice des éditeurs de publications de presse. Nouveau droit voisin qui, je l'assume, a été critiqué par une partie de la doctrine et je fais partie de cette frange doctrinale. Bon, maintenant il existe, donc de toute façon il n'est plus tout à fait question de le critiquer, mais ce qu'on constate en revanche, c'est qu'il suscite des très fortes difficultés de mise en œuvre aux deux extrémités de la chaîne en quelque sorte, parce que la première difficulté, c'est que beaucoup de grandes plateformes ne se prêtent que très difficilement au jeu du droit voisin et des contentieux sont en cours à cet égard. Et puis, à l'autre extrémité, le fait que ce droit voisin génère des rémunérations au bénéfice des éditeurs de presse, mais qu'ils doivent en rétrocéder une part appropriée et équitable aux auteurs de presse, c'est-à-dire aux journalistes et assimilés, les photographes, etc. Or, actuellement, des négociations sont en cours. Il a fallu saisir la commission droit d'auteur et droit voisin de ce sujet parce que les éditeurs et les auteurs ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Et il me semble qu'une part appropriée et équitable doit être une part assez conséquente et qu'on ne peut pas se contenter de miettes au bénéfice des auteurs qui, en début de chaîne, sont les principales personnes qui fournissent des contenus avant même l'éditeur de presse. Bon. Et donc, je pense qu'il faudrait rediscuter de ce point. Un autre droit voisin, à mon avis, mérite l'attention. Alors, ce n'est pas tout à fait au programme de la Commission, mais ça a vraiment très, très directement à la presse. C'est le droit voisin plus ancien, lui, puisqu'il existe depuis 1985, de ce qu'on appelle les entreprises de communication audiovisuelle. Dit simplement, ce sont les chaînes de radio et de télévision, qu'on appelle aussi organismes de radiodiffusion. Bon. Ce droit voisin était un peu dormant. Il a suscité très peu de contentieux depuis 1985 et il a suscité très peu d'attention doctrinale, pour dire les choses très clairement. Mais je pense qu'il est en train de se réveiller et de se réveiller à un rythme assez rapide parce que, notamment, il y a plusieurs manifestations, mais la dernière en date, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne a imposé que les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, comme les autres titulaires de droits, de la rémunération pour copie privée. Rémunération pour copie privée qui génère aujourd'hui environ 300 millions d'euros par an, ce qui est une manne considérable pour les industries culturelles et en l'occurrence ici pour les chaînes de radio et de télévision. La législation française ne le prévoit pas. Donc il me semble qu'il va falloir réfléchir à une modification de la législation française, sauf à considérer que leur préjudice est minime, nous dit la Cour de justice, mais je ne suis pas certain que ce soit le cas. Et cela va obliger à réfléchir à ce qu'est ce droit, et notamment à qui sont les titulaires de ce droit, parce qu'autant en 1985, on arrivait tous à identifier à peu près ce qu'était une chaîne de radio et une chaîne de télévision, autant aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et la loi, je dois le dire, m'a toujours semblé assez mal faite sur le sujet parce qu'elle renvoie à une loi très connue, qui est la loi de 1986 sur la liberté de communication,
pour définir ce qu'est une entreprise de communication audiovisuelle, donc une chaîne de télévision, une chaîne de radio. Or, la loi de 86 a été modifiée à de très nombreuses reprises, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on la modifie, on modifie la définition de ce qu'est le titulaire du droit voisin d'entreprise de communication audiovisuelle. Je vous le dis très franchement, aujourd'hui, je crois que je ne sais plus très bien ce qu'est une entreprise de communication audiovisuelle. Oui, les chaînes classiques de télévision et de radio, certainement, mais au-delà, un certain nombre d'opérateurs d'Internet, on peut se poser la question. Et il va falloir se la poser si on décide qu'ils doivent être invités à la table de la répartition de la rémunération pour copie privée. Enfin, une dernière série de questions, et je m'arrêterai là, j'en ai d'autres, mais le temps passe. Je pense qu'il faudrait s'intéresser aussi plus particulièrement à la situation des auteurs d'images fixes, et plus précisément des auteurs de photographie, et encore plus précisément à la situation des auteurs de photographie de presse. Profession qui est, à mon avis, en danger. Je n'évoquerai pas le côté professionnel, mais surtout le côté propriété intellectuelle. Et il y a un danger très important, mais qui en réalité, au-delà des auteurs de presse, concerne beaucoup de monde. C'est une question qui est très technique, mais sur laquelle j'ai eu l'occasion de rédiger un rapport pour le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, donc qui dépend du ministère de la Culture. C'est la question des métadonnées en matière de photographie. Les métadonnées, pour faire simple, ce sont des données textes qui sont embarquées dans des photographies qui circulent sur Internet et qui indiquent le nom de l'auteur, la date de la photographie, le titulaire de droit, les restrictions d'utilisation, etc. Or, ces métadonnées, on le constate en pratique, sont très souvent écrasées, c'est l'expression consacrée, lorsque les photos sont diffusées sur Internet. Elles sont écrasées par des opérateurs du type exploitants de réseaux sociaux, mais elles sont aussi écrasées par des éditeurs de presse eux-mêmes, pas les très grands éditeurs, Le Monde et Figaro sont très vertueux en matière de métadonnées, mais de plus petits éditeurs le sont moins. Or, à partir du moment où une photographie perd ses métadonnées et est injectée sur le réseau, on perd définitivement ces informations, ce qui pose tout un tas de problèmes en termes de contrôle, d'exploitation des droits, en termes de lutte contre les fausses nouvelles, les enjeux sont assez considérables. Dans le cadre du rapport du CSPLA, on a proposé un certain nombre de remèdes et peut-être qu'il serait utile de les envisager ici avec vous. Voilà, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire et probablement que les questions seront l'occasion de développer d'autres sujets, mais je laisse la parole à mes collègues et amis. Je vous remercie. Merci Monsieur Azzi. Donc Madame Ben Samoun, effectivement les collègues auront l'occasion de poser les questions et vous pourrez approfondir. Merci. Madame Ben Samoun. Ah oui, alors attendez, voilà. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous accueillir aujourd'hui pour échanger avec vous. Alors peut-être pour compléter les propos de mon collègue Tristan et ami, Tristan Azzi, tout de suite. On vient de recevoir une annonce pushée du Monde. La DLC, l'autorité de la concurrence, vient de publier un communiqué où elle annonce condamner Google à une amende de 250 millions pour ne pas avoir respecté son obligation de négocier de bonne foi sur le terrain des droits voisins des éditeurs de presse. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un sujet, la propriété intellectuelle, dont se mêle de manière fort heureuse le droit de la concurrence depuis quelque temps. Et on voit bien que c'est en conjuguant comme ça les disciplines et donc finalement les leviers qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Alors comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, j'ai été nommée en septembre pour, avec 15 autres experts, enfin nous étions en tout 15 experts, pour remettre un rapport au Président de la République sur la stratégie nationale à déployer en matière d'intelligence artificielle pour faire de la France un champion dans le domaine. Alors c'est un rapport très ambitieux, évidemment, et qui... faire de la France un champion nécessitera des investissements importants. Nous formulons 25 recommandations. 25 recommandations. Alors, je peux. Le rapport est très, très, très facile à trouver. Hein. Il est en ligne sur le site de l'Élysée, de Matignon et du ministère de l'Économie et d'autres. Nous formulons 25 recommandations avec 4 recommandations. J'ai été représentante du secteur culture-média dans cette commission intelligence artificielle et nous formulons 4 recommandations qui concernent directement les industries culturelles et créatives et les médias de manière plus générale, plus une
une recommandation un peu plus large sur l'emploi, mais où la priorité ira, devrait aller au secteur de la culture qui sera beaucoup plus touché de ce point de vue-là. Alors, pour rapidement passer sur les recommandations et peut-être m'arrêter sur celles qui vous intéressent au premier chef, la première recommandation est celle de mettre en œuvre les obligations de transparence prévues par l'Artificial Intelligence Act, donc par le règlement. Vous le savez, qui a été voté par le Parlement européen le 13 mars, le jour où on a remis le rapport au président de la République. On avait très bien arrangé les choses. Donc, cette proposition de règlement impose une obligation de transparence des sources. Vous savez que les IA génératives sont entraînées sur des masses de données. Il est aujourd'hui avéré que dans ces données, eh bien, il y a des contenus qui ne sont pas autorisés par les titulaires de droit. Les contenus sont donc exploités sans autorisation, sans rémunération. Les titulaires de droit ne peuvent exercer leurs droits s'il n'y a pas de transparence. Donc cette transparence qui a été obtenue de haute lutte au niveau européen, eh bien, a été adoptée et il s'agira de la mettre en œuvre. Et je crois que de ce point de vue, vous aurez nécessairement une implication dans la surveillance de la mise en œuvre de cette obligation de transparence. Deuxième recommandation importante. Le président de la République l'a plusieurs fois rappelé, il est fondamental de faire rayonner la culture française. Or, ces IA génératives sont entraînées sur une culture anglo-saxonne. La culture française n'y est pas représentée. D'ailleurs, si vous posez certaines questions, vous pourriez être étonné du résultat lorsque nous ne sommes pas d'accord. Eh bien, par exemple, sur qui a traversé la Manche la première fois. Voilà, donc la réponse pourrait vous étonner parce que la culture française n'est pas prise en compte. Et donc, il est très important que la culture française, qui reste vraiment fondamentale et qui est notre richesse en France, eh bien, rayonne, qu'elle soit diffusée. Mais pour cela, nous avons recommandé la création d'une infrastructure, technique qui favoriserait la mise en relation entre les développeurs d'intelligence artificielle et les détenteurs de données patrimoniales libres de droit. Beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. Je rappellerai juste que le dépôt légal ne nous appartient pas, donc en aucun cas nous ne pourrions utiliser le dépôt légal pour mettre à disposition ces contenus. Mais pour autant, la BNF, l'INA, certaines institutions sont riches de contenus qui peuvent être mis à disposition pour l'entraînement de ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc, les contenus qui ne sont pas protégés, donc les contenus libres de droit, et cette infrastructure pourrait, dans un deuxième temps, être ouverte aux titulaires de droit, pourrait servir de plateforme de négociation pour obtenir éventuellement une rémunération pour l'utilisation de ces contenus. Autre recommandation sur la formation des professions créatives à l'intelligence artificielle, il s'agit ici d'accélérer l'appropriation de l'IA par les industries culturelles et créatives et par les créatifs en général. Et pour cela, donc, on fait des recommandations d'investissement dans le secteur de l'information et de la sensibilisation. Quelque chose de plus général sur l'emploi. De manière générale, la commission considère que les enjeux se discuteront plus en termes de complémentarité plutôt qu'en termes d'éviction. Donc on n'attend pas des conséquences forcément très négatives sur l'emploi. Mais le secteur de la culture doit être mis à part parce qu'il a une organisation qui est un peu différente, souvent des contrats précaires. Et de manière évidente, certaines professions sont en danger à très courte échéance. Et donc, de ce point de vue-là, il faudra avoir une attention accrue dans le secteur de la culture et des médias. On le voit d'ailleurs avec certaines entreprises qui ont à grand bruit annoncé licencier des journalistes, comme n'en ayant plus besoin, ce qui reste encore à prouver. Enfin, pour m'arrêter sur la recommandation que vous avez mis en exergue, Madame la Présidente, on sait que le domaine culturel et médiatique est organisé sous une structure un peu
oligopolistique, avec d'un côté quelques grands groupes, une poignée de grands groupes d'un côté, et puis de l'autre côté une multiplicité de petites TI, PME et même quelques indépendants. Le développement de l'intelligence artificielle, le déploiement même de l'intelligence artificielle dans ces secteurs aura pour conséquence d'accentuer la polarisation entre ces grands groupes d'un côté et ces petits acteurs de l'autre. En particulier, le domaine de l'information présente un risque démocratique. Cette polarisation accentue le risque démocratique avec l'apparition notamment de nouveaux acteurs qui n'ont pas de responsabilité éditoriale et qui donc poseront des difficultés et on verra sans aucun doute se développer de plus en plus des phénomènes de désinformation, de mésinformation, de bulles de filtre également avec les agents conversationnels. Donc pour toutes ces raisons, sur ce secteur particulier de la presse qui doit être préservé précisément dans le cadre du déploiement de l'IA, nous avons recommandé la création d'un fonds prioritaire d'innovation et d'appropriation des intelligences artificielles, un fonds que l'on pourrait étendre au niveau européen au sein du programme Europe Créative. Et puis, nous avons recommandé de donner les moyens à la presse de renforcer la lutte contre la désinformation avec le financement d'initiatives en faveur de la transparence des sources. En particulier, c'est très important que les groupes de presse sachent lorsque leurs sources sont utilisées. Donc, transparence des sources, responsabilité éditoriale, traçabilité de l'information également, développement des audits de modèles, développement de bases de données de fact-checking pour vérifier la véracité de l'information. Donc, toutes sortes de recommandations avec un budget de 60 millions d'euros. Évidemment, à l'heure où les budgets sont à la baisse, ça peut paraître très ambitieux, mais l'enjeu est à la hauteur, puisque le risque est un risque démocratique en matière de presse. Merci. Merci, Madame Bensamoun. Madame Broyel, si vous... Alors, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, merci de votre invitation. CNews, enfin l'affaire CNews, c'est-à-dire vous voulez que je parle de ça, c'est-à-dire la décision du Conseil d'État rendue au sujet à propos du litige qui opposait en réalité Reporters sans frontières et l'ARCOM. Vous connaissez les termes du litige, c'était de savoir si l'ARCOM avait raison ou non d'imposer, de se limiter pour imposer le pluralisme interne au sein de CNews, pluralisme interne qui est prévu dans la loi de 1986 à l'article 13. C'est explicitement imposé aux radios, aux services de radio et télévision. Est-ce que l'ARCOM a raison de se contenter pour considérer que cette exigence est satisfaite du calcul des temps de parole des personnalités politiques. Et c'était la réponse de l'ARCOM, le temps de parole est équitablement réparti entre les personnalités politiques sur cette chaîne, chez cet éditeur. Et donc, je considère, puisque l'ARCOM faisait une équivalence entre pluralisme interne, exigence de pluralisme interne et répartition équitable du temps de parole des personnalités politiques, et bien je considère, moi, ARCOM, que le pluralisme interne est respecté. Et le Conseil d'État, dans cette décision, dit tout simplement non, ça ne fonctionne pas, puisque on peut faire de la politique en dehors des personnalités politiques, et des éditeurs le font, c'est-à-dire ils sont effectivement parfaitement respectueux des exigences en matière de temps de parole des personnalités politiques, mais ils font faire de la politique à des invités, à des chroniqueurs, à des journalistes et à d'autres personnes que les personnalités politiques. Et donc, ils peuvent formellement respecter l'exigence de répartition équitable des temps de parole des personnalités politiques tout en méconnaissant substantiellement l'exigence de pluralisme interne que pose la loi. Et donc, le Conseil d'État, tout simplement,
il n'accompagne pas l'obsolescence, l'inefficacité de cette exigence de pluralisme interne et dit à l'ARCOM, il faut que vous posiez un autre... Vous ne pouvez pas vous limiter au respect du temps de parole des personnalités politiques. Il faut que, véritablement, dans l'ensemble de ces programmes, l'éditeur respecte l'expression des courants de pensée et d'opinions différents. La décision, elle a été... assez critiquée, très critiquée en réalité, et je considère qu'elle a été critiquée à tort, mais surtout pour ce qui est l'objet de cette audition, vous avez là vraiment, c'est à vous de vous emparer du sujet. C'est à vous de vous emparer du sujet. Alors, d'une certaine façon, cette décision du Conseil d'État, elle met l'accent sur les points forts et les points faibles de la loi de 86. Et là, il faut vraiment que vous tranchiez. Sur les points forts, elle met l'accent sur le fait que le pluralisme interne sur les chaînes de la TNT, c'est la seule façon d'assurer le pluralisme. Parce que vous savez qu'il y a deux modalités de mise en œuvre du pluralisme. C'est soit il est assuré, l'objectif du pluralisme, c'est que le public ait une diversité et une offre plurielle, diverse, de titres de presse ou, pour ce qui concerne les médias audiovisuels, de radio et de télévision. Et donc ce pluralisme, il se réalise soit par le nombre, par la diversité, c'est ce qu'on appelle le pluralisme externe, soit en imposant aux éditeurs de eux-mêmes être pluralistes, c'est-à-dire eux-mêmes exprimer les différents courants de pensée et d'opinion. En matière de presse, c'est le pluralisme externe qui domine et c'est lui qui est soutenu par l'État. Le régime des aides à la presse, la loi Bichet sur la distribution de la presse, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour faire émerger des titres de presse, tous les titres de presse qui expriment des opinions, des courants de pensée et d'opinions différents. En matière audiovisuelle, les médias audiovisuels étaient diffusés par des fréquences hertziennes qui sont rares, le pluralisme qui a été imposé est un pluralisme interne. Puisqu'il ne peut pas y avoir le nombre, il faut que au sein de chaque éditeur, ce pluralisme-là soit assuré. Alors, le paysage technique, l'environnement technique audiovisuel a considérablement changé, puisque d'abord, les fréquences ne sont plus si rares que ça. Depuis le passage à la TNT, depuis qu'on est passé de l'analogique au numérique, on dispose aujourd'hui de 30 chaînes de la TNT. Donc on peut imaginer que le pluralisme externe puisse être mis en œuvre. Et ensuite, parce que maintenant, les éditeurs linéaires, radio, télévision, peuvent distribuer leurs programmes sur Internet. Mais pourquoi ça reste sur la TNT, l'exigence de pluralisme interne, pourquoi elle reste pertinente et la seule possible, et pourquoi en revanche, en dehors de la TNT, moi là je pense que c'est, là il faut vraiment que vous agissiez, pourquoi en dehors de la TNT, c'est pas possible qu'il reste, à mon avis. Sur la TNT, 30 chaînes de télévision, on se dit oui, effectivement, le pluralisme externe peut être assuré, sauf qu'en pratique, ce n'est pas vrai. En pratique, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que, tout simplement parce qu'il faut, avoir une capacité financière extrêmement importante. Pour le dire trivialement, il faut être riche pour pouvoir émettre sur la TNT. Et donc, si on accepte... on parle souvent des lois anti-concentration, de renforcer les lois anti-concentration en matière de médias, très bien, mais ça fait obstacle à une position trop dominante d'un acteur, d'un éditeur, d'un groupe, mais ça ne fait pas émerger des groupes, des éditeurs qui expriment des opinions différentes. Donc on peut éviter qu'un groupe monopolise plusieurs chaînes de télévision. On ne peut pas en revanche faire en sorte que des éditeurs d'opinions différentes s'expriment sur la TNT.
Donc c'est pour ça que le pluralisme interne, il est assez incontournable. Alors, un autre argument aussi qui doit, à mon avis, être évacué, c'est celui qui consiste à dire oui, mais en somme, la TNT n'est plus le marché pertinent, l'assiette pertinente pour mesurer le pluralisme. Parce que maintenant, eh bien, on peut très bien être distribué sur Internet, tout simplement. Alors, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Sauf que la TNT reste le marché pertinent pour une raison simple, mais transitoire, qui est que ce sont les chaînes de la TNT qui rassemblent la plus large audience. Et donc, ce pluralisme-là, l'assiette de la TNT, correspond au groupe, enfin, au cercle des éditeurs de télévision qui ont la plus grande audience. Et donc, c'est ici, c'est à ce stade-là que le pluralisme doit être respecté. On voit bien que ça n'aurait pas de sens. Mais d'ailleurs, ceux qui avancent cet argument se gardent bien d'aller sur Internet. On peut constater quand même que et les éditeurs, notamment ceux qui étaient en cause dans cette affaire avec l'ARCOM et Reporters sans frontières, les éditeurs du groupe Bolloré, eh bien, ils sont candidats, ils l'ont dit dans une autre commission chez vous, qu'ils sont candidats et fermement candidats pour la TNT parce qu'elle a le plus d'audience. Donc, c'est bien la TNT, sur la TNT, que doit rester le pluralisme interne. En revanche, là où la question est totalement, enfin, à mon avis, que vous devez reprendre la main, c'est que ce pluralisme interne, il est imposé pour toutes les radios, pour toutes les télévisions. Pour toutes les radios, le droit positif, déjà, apporte un coup de canif à cette exigence, puisque déjà, le Conseil d'État a jugé que les radios qui sont diffusées donc sur les ondes hertziennes, pouvaient être des radios d'opinion et qu'on ne pouvait pas leur imposer le pluralisme interne. Donc déjà, le Conseil d'État a neutralisé cette exigence de pluralisme interne concernant la radio. Alors évidemment, a fortiori, pour les autres secteurs, pour les autres réseaux de distribution d'émissions des télévisions, notamment sur Internet, là, la question du pluralisme interne, elle se pose, elle n'est plus justifiée, pour le dire, pour vous exprimer mon opinion, elle n'est plus justifiée du tout. Mais, et on pourra y revenir, ça ne signifie pas non plus que vous devez vous contenter et qu'on peut se contenter, enfin accepter que des chaînes de télévision sur Internet, parce qu'elles diffusent sur Internet, enfin, elles sont distribuées sur Internet, puissent dire n'importe quoi, puisque là, il y a une autre exigence qui est une corde de rappel, qui est celle de l'honnêteté et de l'indépendance de l'information, et qui elle-même comporte des exigences de pluralisme. On retrouve, c'est-à-dire que même une chaîne d'opinion, pour le dire différemment, même une chaîne d'opinion qui serait distribuée sur Internet, et que, même si l'on acceptait que le pluralisme interne ne s'applique pas sur Internet aux chaînes de télévision, l'exigence d'honnêteté et d'indépendance de l'information reviendrait à imposer malgré tout à cette chaîne d'opinion de présenter sous différents points de vue des questions qui prêtent à controverse. Et donc, en définitive, cette histoire de pluralisme, c'est fondamentalement une question de est-ce qu'on autorise ou non un éditeur à faire de l'idéologie et à manipuler l'opinion. C'est ça la vraie question. Et là, je vous remercie. Merci, Madame Royel. Donc maintenant, nous allons passer à une première série de questions de mes collègues. Et puis, vous pourrez faire des réponses. Et ensuite, mes autres collègues vous poseront à nouveau des questions et on fera un jeu de questions-réponses comme cela. Et donc, on commence par Violette Spilbou. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Merci pour ces présentations dans cette table ronde sur le droit des médias qui est en plein dans la période des États généraux de l'information. Vous le savez, au niveau de la majorité présidentielle, avec mon collègue Jérémy Patrier-Lettus et Laurent Esquenegox, nous avons monté un groupe de travail qui, depuis quelques mois, reçoit de nombreux acteurs des médias et de l'information pour pouvoir faire des propositions, nous aussi, les députés, dans le cadre de ces États généraux.
Nous sommes 25 de la commission des affaires culturelles, mais aussi d'autres commissions, puisque vous avez parlé beaucoup d'économie, de droit. On sait que nous serons tous sollicités si nous avons des modifications législatives à faire après ces états généraux. On a beaucoup de sujets que vous avez évoqués qui nous passionnent et dans lesquels on voit que le droit est indispensable. On aura bientôt, dans quelques jours, un débat législatif sur le droit d'agrément, la proposition de loi qui a été déposée après la reprise du JDD. On a des questions sur le pluralisme et l'indépendance des médias, la concentration et les modèles économiques. Et puis, un sujet que vous avez largement évoqué, l'évolution du métier de journaliste dans le cadre des évolutions du numérique et de l'intelligence artificielle, droit d'auteur, déontologie, rémunération et pratique éditoriale. Le droit est donc partout et je ferai focus sur deux sujets en particulier sur lesquels je souhaiterais vous questionner. L'accès au droit et à la vie privée, dans la mesure où les réseaux sociaux font maintenant partie massivement de l'espace d'information. On a vu le débat dans le cadre de la loi violence faite aux élus sur la loi de 1881 que nous avions souhaité par méconnaissance modifiée, mais quelles peuvent être les évolutions législatives au regard de ce qu'apportent les réseaux sociaux comme rapidité, comme massivité de la désinformation et parfois de l'injure publique. Et puis le deuxième sujet, c'est le nouveau statut des créateurs de contenu de l'information, Hugo Décrypte, Gaspard G, Le Crayon, nous les avons reçus, ils ont... en fait, une très très forte audience chez les jeunes en question d'information. Ce sont même les seuls qu'ils écoutent. Eux ne vont plus sur les chaînes de la TNT, sur les radios, ne vont plus forcément chercher l'information ailleurs que sur leur smartphone et que sur ces plateformes. On voit que... ils ne sont pas intégrés au droit aujourd'hui, ces créateurs Madame, de contenu. Merci, Madame la députée. Philippe Ballard. Monsieur Chudeau, oui, je vais tenter de le suppléer puisqu'il a dû penser que c'était à 9h30 notre réunion. Merci, Madame la Présidente. C'était écrit en gros partout que c'était 9h. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais vous interpeller aujourd'hui sur la question de la place de nos médias. Si nous pouvons tous nous féliciter d'avoir su préserver une souveraineté audiovisuelle, celle-ci n'en est pas pour autant exemptée de menaces. Je ne compte plus les entreprises privées ou publiques de l'audiovisuel français qui m'ont fait part de leurs inquiétudes concernant la prédation constante des plateformes américaines vis-à-vis de leur modèle. Les chaînes de télévision, tout d'abord, qui, face au développement des téléviseurs connectés, s'inquiètent de voir leurs utilisateurs recevoir des télécommandes avec uniquement des touches qui renvoient vers les plateformes, ou ces écrans qui privilégient les mêmes plateformes au détriment des chaînes de la TNT. Plateformes qui disposent également d'un budget alloué à la création audiovisuelle colossal, face aux chiffres alignés par l'ensemble des acteurs nationaux. Il faut dire que les deux tiers des publicités sont captées à présent par le numérique. Ou bien encore nos médias radio qui s'inquiètent de la disparition progressive des autoradios remplacées par des interfaces connectées qui invisibilisent aussi progressivement les stations françaises. Ne pensez-vous pas, face à ces mutations du marché, que la loi de 86 est par soi obsolète pour lutter efficacement pour notre souveraineté audiovisuelle? Enfin, concernant la presse, les différents acteurs ne cessent de se plaindre de la non-application des lois votées concernant le droit voisin. Encore ce lundi, en audition, des représentants de la presse magazine rappelaient que la majorité des entreprises du numérique ne jouent pas le jeu de la négociation. Sur les 10 dernières années, il faut savoir que la presse estime avoir perdu 50% de ses revenus publicitaires, captés à 90% par les GAFAM. Pensez-vous qu'il soit possible d'aller encore plus loin pour contraindre les plateformes au niveau national? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Ségolène Amiot. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, le comité de l'intelligence artificielle générative, sous l'autorité du Premier ministre, vient de publier son rapport qui formule 25 propositions. Parmi elles, une seule concerne la protection du droit d'auteur et elle reste malheureusement très vague. La technologie de l'intelligence artificielle peut trouver des applications absolument partout. La santé, l'écologie, l'économie, l'éducation, la défense, l'aérospatiale pourraient probablement même faire le café. Mais dans le domaine de la culture et des médias, son utilisation interroge. Une intelligence artificielle nécessite quantité de données pour s'exercer et se perfectionner. Ces données, ce sont les livres et les articles de presse écrits par des humains. Ce sont des photographies, des peintures produites par des humains. Ce sont des films, des vidéos d'humains. Et dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons, ces derniers ont un droit à l'image et un droit sur leurs œuvres. Aucune mesure n'est actuellement prise pour protéger les créateurs dont le travail est illicitement approprié par l'IA pour entraîner ces systèmes.
Avez-vous des propositions ou des réflexions approfondies sur ce sujet? De même, l'IA pourrait entraîner une forte augmentation de la productivité suivie d'une reconfiguration des emplois dans de nombreux secteurs, y compris celui des médias. Cependant, il existe un risque démocratique lié au développement de l'IA dans cet espace, notamment si elle devient une pratique hégémonique en imposant un fonctionnement uniforme. Certains acteurs du secteur commencent à prendre conscience de cette problématique, comme en témoigne l'adoption de la charte d'éthique intelligence artificielle par le quotidien Le Monde. Quelle est votre opinion sur ces enjeux? Avec l'utilisation croissante de l'IA et la pression exercée par les propriétaires sur les rédactions, le risque d'une crise dans le paysage médiatique et démocratique nous paraît bien réel. Enfin, ne croyez-vous pas qu'il serait nécessaire d'ouvrir un grand chantier démocratique et de réfléchir même à un moratoire pour encadrer et accompagner cette technologie? Ne devrions-nous pas organiser les conditions d'une appropriation collective de l'IA et de ses enjeux afin d'en définir collectivement les conditions dans lesquelles elle s'insère et fonctionne dans notre société et dans nos vies quotidiennes? Merci Madame la députée. Frédéric Meunier. Merci Madame la Présidente, merci à tous les trois pour votre présentation. 4 mois après le lancement des États généraux de l'information par Emmanuel Macron, de nombreux médias s'inquiètent que les débats passent à côté des problématiques économiques. En effet, les enjeux de ces États généraux ne sont pas des moindres. Survie des médias d'information français dans les prochaines années, l'intelligence artificielle, l'émergence de modèles économiques viables face à la suprématie des GAFA. Cependant, la question du financement du modèle économique a mis beaucoup de temps à arriver sur la table des préoccupations. En 10 ans, les recettes publicitaires des médias ont été divisées par 2 face à la puissance numérique des plateformes américaines, les abonnements numériques pour la presse. Sans oublier la crainte que les contenus des médias soient complètement absorbés gratuitement par les nouveaux géants de l'intelligence artificielle. Face à ces réalités, comment faire face à cette problématique et ainsi s'assurer que le travail des journalistes reste monétisable? Quel cadre juridique est-il possible de concevoir pour que les médias traditionnels et les nouveaux acteurs de l'information puissent coexister et comment s'adapter à réguler ces nouveaux médias numériques? Dans quelques temps, dans notre commission, nous allons examiner une loi dite visant à protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant des aides de l'État. Un des objectifs précise que pour prétendre à des aides d'État, toute nomination d'un directeur ou directrice de rédaction devra faire l'objet d'un vote d'approbation des journalistes employés par la rédaction. Je souhaitais connaître votre position sur ce point qui fait débat. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Laurent Esquenegox. Merci Madame la Présidente et Monsieur et Mesdames les intervenantes. Je vous remercie sincèrement de vous être rendu disponible pour cette table ronde. Le sujet des médias est au cœur de l'actualité et cette table ronde organisée par Madame la Présidente tombe à point nommé. Les États généraux devront d'ici quelques mois remettre leurs conclusions. Les parlementaires y contribueront notamment dans le cadre du groupe MIMP Média Information cité tout à l'heure et que j'ai l'honneur de co-présider avec Violette Spilebout et Jérémy Patrier-Lettus. À ce titre, nous avons déjà réalisé en complément de très nombreux rendez-vous individuels. Une grosse dizaine d'auditions sont en cours d'organisation et nous entendrons pour finir plusieurs grands témoins. L'objectif global que nous partageons tous est bien sûr le renforcement de l'indépendance des rédactions, la pérennité économique du secteur ou encore la garantie de la liberté de la presse. Ces priorités sont également portées au niveau européen par la majorité et globalement par l'ensemble des eurodéputés, à l'exception de l'extrême droite, comme le montrent les votes sur le sujet au Parlement européen. En ce sens, le Media Freedom Act, couplé à la directive sur les procédures Bayon, a posé les bases d'une législation européenne protectrice. Nul doute que leur adaptation en droit français permettra de beaux débats, davantage encore si celle-ci est couplée aux conclusions des États généraux de l'information. Avez-vous sur ces textes des points d'attention à nous communiquer? Aussi, j'aurais aimé pouvoir vous entendre sur plusieurs thématiques souvent évoquées. D'abord, celui des concentrations. On sait que la loi de 1986 est souvent remise en question. Pensez-vous également que son adaptation est nécessaire? Si oui, comment? Ensuite, sur celui des droits voisins, M. Aziz, vous avez évoqué tout à l'heure le droit existant et avec ses difficultés d'application face aux GAFAM. Comment le faire évoluer? Je vous remercie. Merci, M. le député. Iñaki Etxaniz. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs.
Une des évolutions face à laquelle il nous faut, à mon sens, légiférer est la concentration croissante du secteur. Cette concentration fragilise l'indépendance de l'information et sa crédibilité. Dans un contexte caractérisé par un interventionnisme croissant de certains actionnaires, les rédactions pourraient utilement avoir le droit de s'opposer par un vote majoritaire à la nomination d'un directeur de la rédaction. À ce titre, la Société des rédacteurs du Monde est un excellent modèle. Elle dispose d'un double droit de regard sur la nomination ou l'éviction d'un directeur de la rédaction. Il me semble nécessaire de mieux concilier aujourd'hui liberté d'entreprendre et liberté des médias, toutes deux garanties par notre Constitution. Pourtant, dans le silence de la loi, la première tend dangereusement à prendre le pas sur la seconde. Ce droit d'agrément, proposé par les organisations et associations ayant participé aux états généraux de la presse indépendante et bientôt débattu à l'Assemblée, bénéficierait aux rédactions du secteur de la presse écrite comme du secteur audiovisuel, aurait permis aux journalistes du journal du dimanche de sauvegarder leur indépendance. C'est une proposition que j'ai faite en mon nom à l'issue de la mission d'évaluation de la loi Bloche que j'ai menée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, avec la présidente Isabelle Roche. J'aimerais alors recueillir votre avis sur l'instauration d'un droit d'agrément et plus globalement sur la mise en place d'outils légaux à disposition des journalistes pour leur permettre de faire valoir leur liberté face à la place grandissante prise par celle de l'actionnariat. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Jérémy Patrieletus. C'est bon, vas-y. C'est bon. Merci, madame la présidente. Merci à tous les trois de vos interventions précieuses qui nourrissent notre réflexion sur ces enjeux majeurs qui sont tout à la fois un atout pour nos démocraties et une menace. Vous l'avez dit ce matin, l'autorité de la concurrence vient de sanctionner Google à une amende de 250 millions d'euros pour non-respect de ses engagements pris concernant les droits voisins. Elle reproche à Google de ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse pour évaluer leur rémunération au titre de ces droits. Par ailleurs, Google n'a pas prévenu les éditeurs de presse que certains de leurs contenus allaient être utilisés pour leur logiciel d'intelligence artificielle Bard, notamment pour entraîner, et vous l'avez rappelé, ce modèle. Dans quelle mesure l'Intelligence Artificial Act permet de répondre à ces enjeux de rémunération et de transparence des données des sources? Mon propos portera maintenant plus particulièrement sur la manière dont l'intelligence artificielle percute le secteur culturel et artistique qui occupe les travaux de notre commission. En quelques années, l'intelligence artificielle est devenue, vous l'avez dit, un enjeu majeur pour notre pays. Il lui a suffi de quelques mois pour qu'elle rattrape le changement climatique au rang des préoccupations majeures. Dans tous les domaines, son développement bouleverse nos sociétés et constitue un changement systémique. Enjeu de souveraineté industrielle et culturelle, notre pays a lancé, et ça a été rappelé sous l'impulsion du président de la République, une stratégie nationale, puis un comité de l'intelligence artificielle auquel vous appartenez, madame Ben Samoun. Face à ces nouveaux défis, vous l'avez dit, il faut renforcer nos formations, investir pour favoriser l'innovation, définir une régulation adaptée pour protéger les dérives. J'aimerais vous interroger plus précisément sur les enjeux culturels et artistiques. Pouvez-vous préciser les potentialités de l'IA dans l'accès à la création et l'accès à la culture? Quelques mots peut-être plus approfondis sur l'évolution du régime juridique sur les enjeux culturels. Sur la fiabilité de l'information, vous avez parlé de fast-checking ou d'infrastructure. Pouvez-vous nous préciser ce que vous entendez sur ce sujet? Et puis enfin, la question de la valorisation des œuvres et des contenus français et francophones. Comment faire en sorte que l'IA soit un levier de rayonnement et de valorisation de nos contenus culturels? Merci, monsieur le député. Stéphane Lenormand. Merci, madame la présidente, mesdames, messieurs. Donc, je vais vous parler tout d'abord du pluralisme qui, à mon sens, est en danger. Donc, en France, on le sait, nous sommes très attachés à la liberté de la presse en général, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression. Et c'est aussi pourquoi les dernières transactions sur le marché, les regroupements d'un grand nombre de chaînes de télévision, de radio, de titres de presse entre les mains de peu d'acteurs menacent sans doute cette indépendance des médias. Et ce n'est pas pour rien que la société en prend conscience. La preuve, les états généraux de l'information qui ont été lancés il y a 4 mois, mais aussi en décembre, l'appel de plus de 250 professionnels de presse, de télévision et de radio. Donc moi, je suis attaché au pluralisme de la pensée et je pense que l'inquiétude que l'on peut avoir pour notre société, c'est qu'elle finisse dans une pensée unique avec la disparition du contradictoire. Donc aussi, j'aimerais savoir comment juridiquement aboutir finalement à garantir le pluralisme dans notre pays, comment développer les prérogatives du journalisme et est-ce que conditionner les aides publiques directes ou indirectes des entreprises éditrices de presse d'information politique
de politique en général et par un droit d'agrément sur la nomination du directeur ou de la directrice sera suffisant ou suffisamment dissuasif. Enfin, j'aimerais aussi avoir un focus sur les territoires d'outre-mer qui souvent sont dans des situations de monopole encore plus importants que l'on peut le retrouver dans l'Hexagone. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des retours d'expérience sur le décret qui est sorti en 2021 qui consistait à créer un fonds d'aide sur le pluralisme des titres ultramarins. Est-ce que l'on a déjà un retour sur son efficacité ou pas? Enfin, j'aimerais quand même faire un focus sur l'intelligence artificielle. On ne pourrait pas y échapper puisqu'elle remet aussi le secteur en pleine mutation. Et je voulais savoir si la nouvelle réglementation européenne sur l'intelligence Act est quelque chose de suffisant. Est-ce qu'il faudrait le compléter juridiquement pour qu'il soit encore plus efficace? Et enfin, est-ce que vous avez eu un regard sur ce qui se fait dans les autres pays européens et autres pour peut-être avoir des idées sur des dispositifs juridiques permettant de mettre le pluralisme de la presse et des médias en sûreté? Merci, monsieur le député. Mesdames et messieurs, monsieur les intervenants, c'est à vous pour répondre aux questions. Donc, vous avez eu... On peut reprendre l'ordre alphabétique et vous avez eu chacun dans vos domaines des questions. Donc, monsieur Azzi. Merci, madame la présidente. Merci pour vos questions. Alors, évidemment, dans nos domaines, je rebondis immédiatement dessus. En tout cas, pour ma part, mon domaine, c'est la propriété intellectuelle et le droit d'auteur et les droits voisins. Et donc, il y a un certain nombre de questions auxquelles je suis dans la capacité de répondre, notamment les questions qui ont trait au droit de la presse, au-delà des questions de propriété intellectuelle. Et d'autres sont plus spécialistes que moi. Alors, parmi toutes les questions qui ont été posées, elles sont très nombreuses. Celles qui ont trait, me semble-t-il, très directement à la propriété intellectuelle, je les prends dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. La question de la protection des créateurs de contenu de l'information, nouveau type d'information, je fais partie de ceux qui considèrent que le droit d'auteur et plus généralement la propriété intellectuelle est doté d'une formidable capacité d'auto-adaptation, en tout cas quant à la question de savoir qui est susceptible d'être protégé. Pourquoi cela? Parce que le code de la propriété intellectuelle renferme certes une liste des œuvres susceptibles d'être protégées, mais cette liste est purement indicative et il existe deux critères de protection pour qu'une œuvre soit protégée qui s'appliquent à n'importe quel objet, qu'il soit compris dans la liste ou qu'il ne soit pas compris dans la liste. Il faut qu'une œuvre soit exprimée dans une forme. Or, c'est le cas d'une forme qui est émise au travers d'un écran dans le cadre d'Internet. Et par ailleurs, il faut que la création soit originale. Et ça... non pas depuis l'aube des temps, mais depuis au moins le 19e siècle. Et donc, il me semble qu'à partir du moment où un créateur de nouveaux contenus de l'information s'exprime au travers d'une forme et que ce qu'il dit ou ce qu'il montre est original, le droit d'auteur a pleinement vocation à s'appliquer. Au-delà de ça, et donc voilà à mon avis la principale forme de protection à laquelle ils peuvent prétendre. Au-delà de ça, dans la mise en œuvre du droit d'auteur, eh bien, on leur appliquera toutes les règles classique ou plus moderne du droit d'auteur, même si certaines posent des difficultés. Ces difficultés, à mon avis, ne sont pas propres à ces créateurs de nouveaux contenus. Autre question, évidemment, elle revient à de nombreuses reprises, la question de l'intelligence artificielle. Alexandra Bensamoun en parlera beaucoup mieux que moi et plus longuement sans doute. Alors, première chose, c'est que je pense que c'est une question évidemment centrale, mais qu'elle ne doit pas occulter les autres questions de propriété intellectuelle, ce qui est peut-être parfois un peu trop le cas ces temps-ci. L'intelligence artificielle, il y a deux choses. Un, elle se nourrit d'œuvres, et deux, elle produit des choses qui ressemblent à des œuvres. Bon. S'agissant du fait de se nourrir, il existe actuellement un dispositif qui est issu de la directive de 2019, qui est l'exception relative à la fouille de textes et de données. L'une des difficultés que rencontrent les auteurs, en tout cas à cet égard, c'est qu'il leur est donné une possibilité de s'opposer à la fouille de textes et de données, mais concrètement, c'est extrêmement difficile pour eux, pour tout un tas de raisons, et donc le système est assez problématique. Et puis, concernant... Alors, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je pense que le temps... Et puis, Alexandra en parlera beaucoup mieux que moi. Et puis, il y a la question de la production de l'intelligence artificielle. La question est de savoir si c'est protégé par le droit d'auteur ou pas protégé par le droit d'auteur. Tout dépend, derrière cela, de l'intervention humaine, en tout cas pour ce qui est du droit positif. Je passe sur ce sujet. La question des droits voisins.
Alors, la question des droits voisins, c'était absolument imprévu. Elle a rebondi ce matin au moment même où on vous parle, puisque Google vient d'être condamné à nouveau pour ne pas avoir respecté son obligation de négocier de bonne foi. Ce droit voisin, à vrai dire, il y a deux manières de voir les choses. Certains vous diront, et ça a été dit un peu tout à l'heure, que le fait qu'il y ait une interaction entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence est une bonne chose. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser le contraire. En ce sens que il me paraît que si le droit de la propriété intellectuelle a besoin du droit de la concurrence pour être appliqué, c'est que le droit de la propriété intellectuelle est mal fait. Et c'est qu'il y a quelque chose de vicié dans la construction. Or, ici, très clairement, sans le droit de la concurrence, le droit voisin est complètement ineffectif. Et les affaires en cours, et encore ce matin, le montrent. Il faut trouver un moyen de contraindre les opérateurs d'Internet à négocier. Et peut-être que s'ils ne veulent pas négocier, élaborer un autre système que ce système de droit voisin, qui est en propriété intellectuelle un système de droit exclusif, c'est-à-dire une faculté d'autoriser ou d'interdire l'exploitation en ligne des contenus. Et puisque c'est un droit exclusif, faculté d'autoriser ou d'interdire, ça permet surtout de monétiser la diffusion de ces contenus. Il y a une faculté de négociation, tout simplement. Mais la négociation, on le voit, en tout cas pour l'instant, ça ne marche pas, parce que le négociateur qui est en face ne veut pas négocier ou ne veut pas négocier dans les règles. Et c'est ce qui lui est reproché et qui justifie les amendes considérables auxquelles Google est condamné. Dans ces conditions, mais je dois dire que je n'y ai pas réfléchi plus que ça, et ça reviendrait à bouleverser complètement le système qui a été élaboré en 2019 dans le cadre de la directive et que le législateur français avait anticipé, ce qui lui a permis de le transposer très vite. Dans ces conditions, il existe un autre système en droit de la propriété intellectuelle qui consisterait à remplacer le droit exclusif par ce qu'on appelle un droit à rémunération, c'est-à-dire une obligation pour Google de payer, obligation qui serait fixée par la loi, de payer à chaque fois que Google, et d'autres bien sûr, exploitent des contenus de presse en ligne. Alors, ça n'empêcherait pas les procès, parce que probablement que les opérateurs s'y opposeraient, invoqueraient toutes sortes de chicanes, mais le dispositif serait, je dis bien peut-être, et c'est un très fort peut-être, préférable, si jamais il fallait y réfléchir, ça supposerait de modifier la loi française, mais enfin ça supposerait surtout de modifier la directive européenne, ce qui n'est pas une mince affaire, comme vous le savez. Et puis, ça supposerait d'y réfléchir. Et en l'état, ma réponse est plutôt instinctive et intuitive qu'une réponse véritablement réfléchie sur le sujet. Mais ça pourrait être une éventuelle épée de Damoclès. S'agissant encore du droit voisin, j'insiste vraiment sur une chose. C'est une position qui est personnel, mais qui est partagé par beaucoup de monde. Je pense que dans l'ensemble, sur toutes ces questions de droit des médias et au-delà, à titre personnel, je tiens vraiment à ce qu'on appelle l'exception culturelle. Et l'exception culturelle, elle a quand même vocation à protéger avant tout ceux sans qui il n'existerait pas de contenu. Et évidemment, à un moment de la chaîne, il y a les éditeurs de presse, mais à l'origine de la chaîne, il y a tout simplement les auteurs. Sans auteur, il n'y a pas d'œuvre. Sans œuvre, il n'y a pas de contenu, que ce soit des contenus de presse, que ce soit des contenus artistiques, que ce soit des contenus musicaux, etc. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est finalement eux qui sont les moins protégés. Je reviens au droit voisin. S'agissant de la question du droit voisin, les négociations qui sont en cours actuellement, alors, il est difficile de fournir des chiffres, puisque par hypothèse, ce sont des négociations, mais ce sont des négociations à titre privé, même si elles ont l'appui de certaines commissions, telles la commission droit d'auteur et droit voisin, etc. Je pense que les négociations pourraient donner une part plus grande de rémunération aux auteurs. Et je le répète, ils n'ont pas vocation à récolter uniquement des miettes du droit voisin. La loi le prévoit très clairement. Ils doivent obtenir une part appropriée et équitable. Alors, appropriée et équitable, votre Assemblée le Parlement plus généralement n'a pas souhaité la fixer dans la loi. Il faut savoir que pour d'autres systèmes qui ressemblent à cette rémunération des auteurs et pour d'autres droits à rémunération, la plupart en réalité, le législateur a assumé de fixer des clés de répartition dans la loi. Et ces clés de répartition, quand c'est auteur versus exploitant, elles sont très souvent à 50-50. Et historiquement, ce que l'on appelle la rémunération équitable en propriété intellectuelle, c'est une toute autre rémunération équitable, c'est celle qui est due notamment par les radios
et par les lieux publics qui diffusent de la musique. Et les artistes interprètes ainsi que les producteurs de musique ont droit à une rémunération équitable. Elle est partagée et c'est la loi qui le prévoit, 50% pour les artistes interprètes, 50% pour les producteurs. La rémunération pour copie privée obéit à des clés de répartition légales également, où les auteurs sont également bien traités. Et donc, peut-être que le législateur pourrait prendre ses responsabilités, fixer lui-même une clé de répartition, ce qui éviterait des conflits. Alors, évidemment, chacun irait de sa pression sur le législateur pour essayer de tirer à lui la couverture de la rémunération, mais peut-être que ça éviterait des conflits internes au secteur de la presse qui ne sont jamais bons pour la pérennité de ce secteur qui, on le sait, on est là pour ça, est en crise. C'est une idée parmi d'autres. Voilà, je crois que pour ce qui est des questions de pure propriété intellectuelle, j'ai fait un petit peu le tour. Madame Bensamoun. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour ces nombreuses questions. Alors, comme mon collègue, je ne vais pas répondre une à une à toutes les questions, parce que sinon, je pense qu'on peut rester ici toute la journée et ce serait bien agréable pour échanger. Peut-être me concentrer sur l'intelligence artificielle. Moi, je pars de la propriété intellectuelle. Hein, je suis une spécialiste de propriété intellectuelle au départ et je fais désormais énormément de droit du numérique, donc données à caractère personnel, droit de l'intelligence artificielle, etc., etc., depuis un certain nombre d'années pour travailler avec les sciences dures, avec des collègues de sciences dures depuis un certain nombre d'années sur ces sujets. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Ce rapport qui a été remis au président par la commission intelligence artificielle, vous avez dû le lire sans aucun doute. Vous avez vu également la composition de cette commission et vous avez constaté eh bien, que j'étais... désignée ici comme celle qui devait s'intéresser, et les journalistes n'ont pas manqué de le souligner, y compris en me parodiant dans Le Monde, comme désignée pour assurer la protection de la culture et donc la préservation de la culture et des médias. Je reçois depuis quelques jours de nombreux remerciements du secteur de la culture et ça me touche de les recevoir. Cette commission, elle a eu lieu pendant la discussion sur l'AI Act. Cette discussion sur l'AI Act, ça ne vous a pas échappé, elle a été tendue. Elle a été tendue notamment sur le sujet de la propriété littéraire et artistique. Et donc, mon premier objectif ici a été de faire entendre la voix de la culture dans ce fonctionnement des IA génératives, tout simplement. Il s'agit d'une nouvelle chaîne de valeur. Les IA génératives ont besoin d'un modèle de fondation. Elles sont directement issues de modèles de fondation. Ces modèles de fondation sont entraînés sur des données, comme on dit, et ces données peuvent être des contenus protégés par le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur. Donc, dit comme ça, ça peut paraître étonnant qu'on ait tant discuté de cette chaîne de valeur, mais vous le savez, il a été très compliqué de faire adopter au niveau européen ce principe de transparence pour une raison qui est que ça introduit une charge supplémentaire. Voilà, et puis que certains s'opposaient peut-être à une trop forte régulation. Est-ce que c'est une trop forte régulation ? Pour ma part, j'ai considéré et j'ai soutenu l'idée qu'on ne crée pas un écosystème IA, on ne crée pas un marché en supprimant une partie de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste effacer l'idée qu'on a besoin de ces contenus culturels pour créer ce marché. Et donc j'ai soutenu l'idée, non seulement, et vous le voyez sans aucun doute dans le rapport, puisque c'est affirmé de manière très claire, le principe de rémunération des contenus protégés par le droit d'auteur et le droit voisin a été rappelé. Le principe de distinction et de valorisation du contenu humain par opposition au contenu synthétique ou artificiel également a été clairement rappelé. Quatre recommandations express concernent, alors 4 sur 25, plus un développement sur l'emploi, ce qui fait 5 parties dans un rapport sur la culture.
alors que c'est un rapport transverse sur l'IA. Ça a été une gageure et je remercie d'ailleurs tous les membres de la commission IA d'avoir compris tout l'enjeu du secteur de la culture et puis d'avoir compris également tout l'intérêt à ce qu'on ne s'engage pas dans une voie qui donnerait lieu à de multiples procès comme on le voit aux États-Unis. Vous avez vu aux États-Unis, tous les secteurs sont en procès, il y a des class action. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, ces IA, ces acteurs du numérique ont utilisé des contenus protégés, dont ceux du New York Times. C'est là que ça a fait grand bruit, mais en réalité, tous les secteurs ont agi. Hein. Le jeu vidéo, secteur littéraire, graphique, tous les secteurs ont agi. Il y a de multiples procès. Les procès se résoudront dans des années, à coût de millions, de dizaines de millions de dollars. Évitons cela. Créons un marché éthique, responsable, compétitif, européen, qui prend en compte l'ensemble de la chaîne de valeur. Et pour cela, eh bien, protégeons notre point fort. Le point fort français, c'est la culture. Et donc, permettons aux industries, aux culturels, aux titulaires de droits d'être rémunérés du fait de l'utilisation de ces contenus. Premier bloc. Ensuite, je crois qu'a été posée la question de est-ce que l'AI Act répond finalement à cet enjeu suffisamment de protection de la culture ? L'AI Act, au départ, propose une régulation par les risques, pas du tout par la technologie, mais par les risques. Plus le risque provoqué par l'usage de l'IA est important et plus la régulation doit être importante, jusqu'à une interdiction totale, par exemple pour le scoring social, interdiction totale de mettre sur le marché un système d'IA qui permet la notation sociale. Donc au départ, l'approche est vraiment une approche par les risques. Et puis, en fin 2022, apparaît ChatGPT. Quand apparaît ChatGPT, on met un certain temps à comprendre comment fonctionne ChatGPT et qu'est-ce qui a été utilisé pour créer, pour entraîner finalement ChatGPT. Et c'est au bout de quelques mois à analyser des bases d'entraînement, notamment Books3, notamment voilà, par des chercheurs américains, qu'on se rend compte que les bases d'entraînement contiennent en effet des contenus piratés. À ce moment-là, on se dit mais quel est le droit applicable ? A-t-on le droit d'utiliser ces contenus sans autorisation et sans rémunération ? Là, on se tourne vers la directive de 2019, droit d'auteur et droit voisin dans le marché unique numérique. Article 4 de cette directive, que je connais très bien puisque j'ai proposé la transposition. Le ministère de la Culture m'avait demandé un rapport de transposition sur cette exception. Et cet article 4, qui a été introduit par amendement en cours de discussion de manière assez subreptice, alors que nous étions tous concentrés sur l'article 17 et la rémunération des auteurs, sur les articles 18 et 23, sur les droits voisins des éditeurs de presse, dont nous avions de nombreux dossiers à porter en France, cet article 4 n'a pas suscité grosse mobilisation. Que dit-il ? Il crée une exception aux droits d'auteur et aux droits voisins en cas de fouille de textes et de données. À l'époque, on nous dit que c'est pour la recherche médicale, tout va bien. Très bien, on dit quand même c'est un peu large. Il y a des conditions quand même pour en bénéficier de cette exception, mais les seules conditions qui sont posées, c'est l'accès licite aux sources et l'absence d'opt-out, l'absence de droit d'opposition de la part du titulaire. Vous avez donc une exception ici qui peut bénéficier à tous les acteurs, quelle que soit la finalité, y compris une finalité commerciale. Et là, vous voyez donc les acteurs du numérique. Et comme c'était tellement large, de manière peut-être assez rapide, mais des sortes de garde-fous ont été posés. Accès licite aux sources, première condition. Deuxième condition, absence d'exercice de l'opt-out par le titulaire de droit. Je peux vous dire que lorsque j'écris le rapport de transposition pour le ministère de la Culture, les titulaires de droit ne sont pas très mobilisés sur cette exception pour une raison qu'on ne connaît pas les IA génératives. On ne sait pas ce qui va se passer. On sait aujourd'hui que les premiers articles sur l'IA générative de la part des acteurs du numérique datent de 2017. Donc, cette exception avait été déjà pensée très en amont. Mais en France, on n'a pas du tout, mais même en Europe, on n'a pas du tout la conscience de ce que cette exception va permettre. Fin 2022, j'y reviens, courant 2023, les titulaires de droit commencent à s'émouvoir. D'apprendre ce qui s'est passé. Vous avez vu les articles dans la presse
le pillage, on commence à s'émouvoir. Là, commencent à fleurir les procès aux États-Unis. Les titulaires de droits exercent massivement leur opt-out, leur droit d'opposition, de manière plus ou moins efficace, parce que comment on exerce exactement un opt-out? La directive européenne nous dit par des moyens lisibles par machine. Mais lisibles par machine, des métadonnées, et mon collègue le sait bien, ça s'écrase. Lisibles par machine, mais quand le titulaire de droit n'est pas à l'origine de la mise en ligne, comment peut-il s'assurer que tous les contenus qui circulent et dont il est titulaire portent bien la trace de ce droit d'opposition? Comment standardiser ce droit d'opposition? Dans le rapport, nous proposons de travailler à cette standardisation, notamment du droit d'opposition. Ça, ce sera fondamental. Au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé dans l'AI Act? Eh bien, on s'est rendu compte que même si les acteurs exercent leur droit d'opposition, comment ensuite peuvent-ils faire valoir leurs droits, puisqu'ils ne savent pas si leurs contenus ont été ou pas utilisés par des modèles de fondation? Comment faire? Et c'est là qu'est arrivée la discussion sur la transparence des sources utilisées dans l'AI Act. Et l'AI Act a changé du coup un peu de physionomie, puisqu'il ne régulait plus que les risques, mais il s'intéressait à une technologie, la technologie de l'IA générative, pour réguler cette technologie, ce qu'on a appelé dans l'AI Act les GPAI, les modèles à usage général, et donc pour réguler cette technologie en imposant un certain nombre de... un régime spécifique pour ces GPAI, pour ces modèles de fondation, un régime spécifique qui dépend de différents critères. Est-ce que c'est un gros modèle, c'est-à-dire est-ce qu'il a besoin d'une puissance de calcul de 10, de plus ou de moins 10, 25 flops? Pardon, c'est une unité de calcul et qui permet d'évaluer la puissance, la taille du modèle. Donc ça, c'est un des premiers critères qui permet de mesurer les obligations des fournisseurs d'IA générative. Deuxième critère, est-ce que c'est un modèle en open source ou pas? Pendant toute cette discussion et l'élaboration de ces critères, c'est toujours posé la question du respect du droit d'auteur et des droits voisins. On a eu des versions où on nous a dit « Ah ben, quand c'est en open source, c'est pas la peine de respecter le droit d'auteur et les droits voisins. » Ben, pourquoi? Enfin, je veux dire, bien sûr, il y a des modèles en open source, mais pour autant, enfin, je veux dire, ce sont des acteurs privés qui font des profits. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison d'exclure l'open source. C'est le tarif qui pourrait changer du fait de l'open source. Pendant toute cette discussion, ça a été vraiment très, très difficile. On retiendra que pour toutes ces catégories, le respect du droit d'auteur et des droits voisins a été exigé. Les acteurs doivent mettre en œuvre une politique interne pour respecter le droit d'auteur et les droits voisins. Et en plus, ils doivent déclarer leurs sources. Et donc, le chemin qu'on a parcouru pour arriver ça a été un espèce de petit parcours du combattant, quand même, il faut le dire. Mais je crois qu'on atterrit bien, en fait. Je crois qu'on peut sereinement se dire qu'il faut que le marché qui se crée soit éthique. Pour être compétitif, il ne peut pas être autrement qu'éthique. Et donc, il faut rémunérer les contenus culturels d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci, Madame Bensamoun. Madame Broyel. Alors, attendez, je vous donne le micro. Voilà, c'est bon. Vous pouvez y aller. Merci. Alors, j'ai recensé un peu les questions sur lesquelles je pouvais répondre. La première qui concernait la visibilité, je ne sais plus très bien qui a posé quelle question. La visibilité des médias audiovisuels, en gros, j'ai compris, dans l'espace numérique. Comment fait-on pour toujours voir les services, les chaînes de télévision, par exemple, sur une box, ou comment fait-on sur une interface donc particulière, ou bien comment fait-on pour les voir, pour continuer de les voir sur d'autres interfaces sur Internet qui peuvent être des agrégateurs de contenu et autres. Alors, là, il existe des dispositifs. Hein. La loi de 86, c'est l'article 20-7 de la loi de 1986 qui permet, et qui elle-même est une transposition de la directive service des médias audiovisuels. Elle permet aux États de prendre les mesures destinées à mettre en avant
les médias sur audiovisuels sur ces interfaces-là. Et la directive parle des médias audiovisuels qui représentent des services d'intérêt général, des services d'intérêt général audiovisuel. Et l'ARCOM, là, très récemment, a pris la décision de considérer que toutes, et c'est pour ça, ça renforce l'idée selon laquelle la TNT reste, pour l'instant, pas de façon pérenne, mais un marché pertinent, l'ARCOM a adopté une délibération qui considère que toutes les chaînes de la TNT constituent des services d'intérêt général, de sorte que toutes les chaînes de la TNT disposeront d'une visibilité, doivent disposer d'une visibilité spécifique sur les interfaces numériques digitaux, encore une fois sur des interfaces d'agrégateurs de contenu. Donc c'est du côté de la loi de 86 qui met en œuvre la directive SMA. Sinon, à l'échelle européenne, le Media Freedom Act, qui est en cours d'adoption, qui est un règlement, prévoit des mesures spécifiques pour éviter pour protéger les médias audiovisuels des mesures de suppression, de restriction qui seraient décidées par les plateformes. Et surtout, c'est pas empêcher que ces restrictions, hein, le Media Freedom Act est relativement peu ambitieux, je crois, sur ce point-là, puisqu'il se contente d'imposer aux plateformes de motiver la décision de restriction de l'accès, de la visibilité des médias avant de prendre cette décision. Donc il n'y a pas d'interdiction de restriction, il y a seulement une garantie procédurale qui est une motivation en amont qui intervient, qui devrait intervenir. Mais c'est surtout, si on parle de la visibilité des médias sur les plateformes, c'est surtout le DSA. Dans le DSA qu'on trouve les outils. Et là, sa mise en œuvre va dépendre de la politique qui sera décidée par la Commission européenne, puisque parmi les risques systémiques que les très grandes plateformes doivent analyser, se trouvent les risques qu'elles font courir au pluralisme des médias. Et si ces risques sont identifiés, elles doivent prendre les mesures pour les surmonter, pour y remédier. L'expression, c'est l'atténuation des risques, mais c'est une expression qui pourrait être comprise comme vraiment une mesure un remède. Et si le remède est insuffisant, la Commission peut intervenir. Donc on peut imaginer très bien, si la Commission décide d'être volontariste sur ce point, je crois que ses premières actions ont montré qu'elle avait décidé d'être volontariste, on peut très bien imaginer que la Commission impose à telle ou telle plateforme de modifier les algorithmes parce que pour assurer le pluralisme et rendre plus visibles les médias sur les plateformes, sur les réseaux sociaux notamment. Les outils existent, mais là, ils vous échappent. Pour ce qui concerne la concentration des médias, je crois que les règles de concentration qui sont posées dans la loi de 1986 pour ce qui concerne les médias audiovisuels et dans une autre loi de 86 aussi pour la presse, je crois qu'elles ne sont pas, elles ne sont plus satisfaisantes. Toutes les commissions que je visionne en font le constat. Donc il serait temps, et je crois effectivement, de s'en emparer. Le MFA, le Media Freedom Act, donc encore une fois en cours d'adoption, un règlement qui aura donc un effet direct en droit interne, prévoit que pour mesurer les effets de la concentration, il faut mesurer les effets produits sur le pluralisme explicitement. Donc les règles sont destinées à évoluer, ce qui devrait être l'occasion de modifier sur ce plan-là les dispositions législatives pertinentes. Cela dit, encore une fois, si la concentration empêche
d'être dominant et de prendre seul la parole, elle ne fait pas émerger, elle est impuissante à faire émerger des voix, des paroles différentes, des médias différents. Donc la concentration, les règles anti-concentration sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes pour assurer le pluralisme. Pour ce qui concerne l'agrément, vous avez parlé de l'agrément. Alors, la difficulté, c'est celle qu'il y a à combiner la liberté d'entreprendre et la non-ingérence de l'actionnaire dans les décisions éditoriales. La liberté d'entreprendre, eh bien, pour qu'existent des médias d'opinion, il faut que soit autorisé le fait de décider de faire un média d'opinion. Et donc, à l'origine de tout ça, il y a quand même l'initiative d'un entrepreneur qui décide d'investir dans un média d'opinion. Donc, à ce stade-là de la création, c'est difficile de lui reprocher d'avoir une influence et de nommer le directeur de rédaction, de le nommer directeur de rédaction. Mais l'agrément, est-ce qu'on peut permettre ou non, une fois que l'éditeur est installé, est-ce que l'on peut permettre ou non aux journalistes, à la rédaction, de s'opposer à la nomination d'un autre directeur ? Ça, c'est une question qui pose quand même celle aussi de la pérennité. Est-ce qu'un journal peut évoluer ? Est-ce qu'il peut ou non évoluer ? Est-ce que sa ligne éditoriale peut ou non évoluer ? Mais j'attire votre attention encore sur les règles nouvelles qui vont intervenir avec le Media Freedom Act et notamment son article 6 qui impose, tout en préservant la liberté d'entreprendre de l'actionnaire, donc, qui impose une étanchéité de mettre à distance l'actionnaire des décisions éditoriales individuelles. C'est-à-dire qu'en gros, l'actionnaire, c'est un peu la répartition qui ressort du Media Freedom Act, l'actionnaire peut lancer la ligne éditoriale générale, mais après, dans chaque décision individuelle que prend quotidiennement une rédaction, là, il doit rester à distance et ne peut intervenir. Et ça, pour l'indépendance de l'information, c'est évidemment essentiel. Donc, il y a aussi cette évolution-là qui va intervenir, cette évolution du droit positif qu'il faudra que vous preniez en considération. Ensuite, je crois que la dernière question portait sur le pluralisme. En fait, comment le pluralisme, finalement, peut-il être assuré ? Comment garantir son effectivité ? Si j'ai bien retenu la question. Si l'on revient à la décision du Conseil d'État qui concerne l'ARCOM et RSF, et ces news en toile de fond, ça, c'est une question, c'est le grand reproche qui est adressé à la décision du Conseil d'État. C'est-à-dire, oui, vous imposez un pluralisme interne, mais concrètement, comment on va le mesurer, ce pluralisme interne ? Alors, certains ont lu la décision du Conseil d'État comme imposant un fichage des personnalités, pas que politiques, de tous les intervenants qui intervenaient, enfin qui prenaient la parole, qui s'exprimaient sur les plateaux. Je crois que c'est assez, enfin cette interprétation est inexacte parce que précisément c'est ce qui était en train de se passer, le fichage. L'ARCOM avait déjà élargi la notion de personnalité politique en l'étendant à des personnalités qui ne font pas partie d'un parti politique, qui ne sont pas, disons, encartées. Et c'est ainsi qu'il a, l'ARCOM, compté Éric Zemmour dans les personnalités politiques. Et le Conseil d'État aurait très bien pu dire qu'il fallait étendre la notion de personnalité politique à toute personne faisant de la politique. Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, le Conseil d'État. Il est vrai que la rédaction sur ce point de la décision du Conseil d'État, elle est ambiguë et elle aurait pu être plus claire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a pas étendu la notion de personnalité politique et le fichage
qu'elle impliquait, à tous les intervenants sur les plateaux. Et ce qu'il faut mettre en ce qu'il faut créer, c'est à l'ARCOM de le créer, mais elle ne peut pas le faire seule, c'est de créer un outil qui permette de repérer, d'identifier si un média ne respecte pas du tout le pluralisme. Et ces outils, alors on dit mais c'est impossible à créer ces outils, c'est totalement possible à créer, et de toute façon ça doit être créé. Déjà l'argument de c'est difficile, je le trouve assez faible, parce qu'il doit, il n'y a pas le choix. À moins de renoncer au pluralisme, mais ça ce n'est pas possible, c'est une exigence constitutionnelle, il faut le créer cet outil. Et je constate que, prenons un exemple, imaginons une chaîne de télévision qui ne consiste pas en ce ne serait pas une chaîne d'information, il n'y aurait pas de plateau, de live, d'expression par la parole, il y aurait seulement des fictions. Et imaginons que ces fictions soient toutes des fictions de propagande. Est-ce que vous vous diriez, il n'y a pas de temps de parole, on ne peut pas, il n'y a pas de critère objectif qui est un critère chiffré, donc on ne peut pas imposer le pluralisme interne et on doit accepter cette chaîne d'opinion parce qu'on n'a pas l'outil. Ah non, non. Et le travail qui consiste à dire, à identifier le message politique, le courant de pensée exprimé, politique au sens large, le courant de pensée exprimé par un contenu audiovisuel, c'est ce que fait le juge pénal quotidiennement avec la loi sur la presse, pour décider si un discours était un discours attentatoire. J'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais me donner le micro et je voulais couper. Je suis désolée. Mauvaise manipulation de moi. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment, c'est sévère le temps de parole ici. Non, c'était pas... C'est très, très strict. Non, c'est... Sans sommation. C'était involontaire. Donc pour apprécier si un tableau ou bien des affiches est une affiche, constitue ou non une affiche antisémite, une représentation est ou non raciste, on n'a pas besoin d'éléments chiffrés. Le juge sait faire. Et il existe des centres de recherche extrêmement élaborés en France, notamment au CNRS, qui mesure les mouvements politiques sur Internet. Et là, ils ne comptent pas le temps de parole. Ils ont développé des indicateurs qui sont qualitatifs, qui sont les thèmes abordés, les thèmes pas abordés, la façon dont on les aborde, l'iconographie, l'effet qu'on veut faire produire sur le public, de rejet ou d'adhésion. Tous ces outils, les sciences sociales savent les ont créés, savent les manier, et il faut que l'ARCOM s'en empare. D'ailleurs, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a dit, moi, je ne vais pas compter, ficher les personnalités, toutes les personnes qui passent sur un plateau. Je vais créer un outil qualitatif et pas quantitatif. Donc, il me semble que cette question de la mesure du pluralisme politique, elle est du pluralisme politique, oui, elle est essentielle et il ne faut pas s'arrêter sur ce discours général consistant à dire « Ah mon Dieu, c'est impossible, on va tous être fichés ». Non, c'est inexact. Merci beaucoup Madame Breuil. Et encore mes excuses pour vous avoir coupé de façon intempestive le micro. Voilà. Donc maintenant nous allons reprendre une série de questions de différents collègues. J'espère que vous êtes tous inscrits, parce que j'en ai pas beaucoup sur ma fiche. Donc voilà. Céline Calvez. Merci Madame la Présidente. Vous avez déjà beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais je vais vous inviter à y revenir en parlant de l'amont, puis aussi de l'aval. En amont, on a besoin d'avoir de nombreuses données pour pouvoir faire travailler les algorithmes. Madame Bensamoun, vous avez souligné l'existence de recommandations parmi les 25 de la Commission pour l'intelligence artificielle, dont une m'intéresse plus particulièrement, c'est la mise en place d'une infrastructure technique favorisant la mise en relation
relations entre les développeurs d'IA et les détenteurs de données culturelles patrimoniales. Plus concrètement, que devrait recouper cette infrastructure technique? Vous avez parlé de la standardisation du droit d'opposition, ça peut être une partie, mais ne pourrait-on pas aussi envisager que cette infrastructure permette la mise à disposition par des créateurs spécifiquement de leur contenu et donc une rémunération et pourquoi pas un droit de licence? Ce sera mon premier point. Deuxième point sur le partage de la valeur sur l'aval, un contenu généré peut-il être une œuvre? Merci Madame la députée. Alexandre Portier. Merci Madame la Présidente. Mesdames, vous avez évoqué tout à l'heure l'adoption du Media Freedom Act le mercredi 13 mars et je voulais revenir sur cette question de la concentration dans les médias puisque cette nouvelle réglementation va imposer aux États membres de garantir l'indépendance des médias européens et de protéger les journalistes de l'Union européenne face aux ingérences politiques et économiques. Et dans le même esprit, je souhaitais connaître votre avis sur la proposition formulée par l'Inspection générale des affaires culturelles dans son rapport de mars 2022. Celle-ci consistait à élargir le champ de l'article 7 de la loi de 1986 aux services de presse en ligne et à étendre le périmètre de la réglementation des investissements étrangers en France à l'ensemble des médias d'information. Cet article dispose que les étrangers ne peuvent procéder à une acquisition ayant effet de porter leur part à plus de 20% du capital social ou des droits de vote d'une entreprise éditant une publication de langue française. Est-ce que ça vous semble transposable? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Sarah Legrain. Merci, madame la présidente. Alors, j'ai trois questions spécifiquement sur la question des médias, donc plutôt pour madame Boyel. La première question, d'un point de vue légal, la question du financement de l'audiovisuel public, de sa possible budgétisation. Est-ce que vous considérez que c'est de nature, en fait, à transformer l'audiovisuel public en une forme de média gouvernemental et qu'est-ce qui pourrait y avoir comme implication légale? Je ne sais pas si c'est dans votre champ de réflexion. Deuxième question sur la décision du Conseil d'État. Vous en avez beaucoup parlé sur la façon de comptabiliser les éditorialistes. Je me demandais si ce n'était pas en fait une piste pour clarifier aussi le rôle des experts et des éditorialistes, parce qu'en réalité, c'est ça la question qui est posée derrière, c'est à quel titre les personnes sont invitées pour parler sur certains sujets. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, en clarifiant la notion d'expert, on règle une partie de la question du pluralisme, en fait, en invitant les gens du fait de leur expertise? Et ma troisième question, c'était sur la concentration des médias. Vous en avez beaucoup parlé aussi, mais vous êtes resté dans le champ des médias. Or, une des caractéristiques aussi de cette concentration, c'est qu'elle elle est horizontale, elle est verticale, elle dépasse aussi le champ des médias. Est-ce que vous pensez... quel type de dispositif vous pensez aussi pour lutter contre le fait de détenir à la fois les tuyaux et les contenus? C'est-à-dire aussi les canaux de diffusion, les agences de publicité. Et par exemple, du côté de l'édition, on a aussi le sujet sur l'édition et la diffusion. Et on voit bien que là, le sujet Bolloré qui est beaucoup posé en ce moment, on voit bien que le sujet se pose maintenant vraiment dans la question de l'édition. Donc est-ce que vous avez des pistes pour prendre toute cette globalité de la question de la concentration, pas seulement dans le domaine des médias, mais aussi industrie culturelle? Merci. Merci, Madame la députée. Carl Olive. Merci, chère présidente. Mesdames, messieurs, depuis 20 ans, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de s'informer pour une large partie de la population. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès en 2022, 62% des Français s'informent quotidiennement via les réseaux sociaux. Et ce chiffre monte à 70% chez les 15-34 ans. Comme vous le rappelez, sur les réseaux sociaux, nous retrouverons de tout. C'est un croisement entre la Samaritaine et une brocante à ciel ouvert, de l'information et de la désinformation. Car le cœur des réseaux sociaux n'est pas le fait, mais l'attention. Je souhaitais vous interroger ce matin sur l'influence des réseaux sociaux, sur les lignes éditoriales des différents médias et sur la qualité de l'information relayée. Alors que l'on sait que chaque réseau social a son public et que celui-ci est plus que jamais clairsemé, que la publicité générée par leur site internet est également une source de revenus pour les médias, comment voyez-vous l'évolution des contenus journalistiques depuis 20 ans ? Comment les médias traditionnels et les nouveaux médias en ligne sont-ils adaptés aux évolutions des réseaux sociaux, à l'évolution du droit pour se protéger de fausses informations? Enfin, la France est-elle aujourd'hui suffisamment armée juridiquement pour protéger nos médias et garantir l'exigence du fait et la qualité de l'information? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Emmanuel Antoine. Merci, madame la présidente. Mesdames, les GAFAM ont une valeur boursière, une valorisation boursière supérieure à 10 400 milliards de dollars, soit près des deux tiers du PIB de l'Union européenne. Ils sont devenus de puissants acteurs du monde moderne, mais leur volonté d'hégémonie est une réelle source d'inquiétude. Leur stratégie de diversification et d'intégration verticale et horizontale
en a fait des conglomérats disposant d'une puissance de marché difficile à concurrencer. Les multiples acquisitions opérées par ces acteurs de l'économie mondiale sont accusées de tuer la concurrence et l'innovation. Les acquisitions prédatrices, et je pose mes mots, dans le domaine de ces acteurs posent un problème pour l'équilibre du marché numérique. Cela n'est pas sans impact sur le secteur des médias d'information. Pour autant, le DMA n'aborde pas ce sujet. L'examen par la Commission européenne des acquisitions dans le secteur numérique devrait être renforcé. Quel est votre avis sur ce sujet ? Merci, Madame la députée. Philippe Ballard. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur ce que disait Madame Broyel tout à l'heure, qui est un peu le fond du problème. Les outils qu'on pourrait donner à l'ARCOM pour voir dans quelle case on pourrait ranger tel ou tel expert invité. Si on rentre dans le détail, quelqu'un qui, le matin, dirait, par exemple, il y a beaucoup trop d'administration en France, il y a beaucoup trop de taxes, d'impôts, donc a priori quelqu'un de libéral, mais qui l'après-midi dit face à la concurrence déloyale, il faut faire du protectionnisme. Là, il n'est plus tout à fait dans la même case. Et on pourrait multiplier les exemples. Quelqu'un le matin qui va dire il y a un changement climatique terrible, il faut prendre des mesures extrêmes, il faut favoriser, pourquoi pas, le bio, d'ailleurs. Et puis, l'après-midi, qui va dire la police n'a pas assez de moyens. Non, la police ne tue pas. Là, il ne serait peut-être pas tout à fait dans la même case. Donc, c'est là où on rentre dans la complexité d'un logiciel. Et comment vous voyez les choses, en fait. Merci. Merci, monsieur le député. Géraldine Bannier. Merci. Moi, j'ai un sujet qui m'interroge sur le porter à connaissance de nos concitoyens de la ligne éditoriale des médias. Je suis pas sûre, en échangeant avec nos concitoyens, qu'ils sachent toujours très bien que derrière un journal, derrière une chaîne de télévision, il y a une subjectivité. Alors évidemment, on l'apprend à nos élèves dans le cadre de l'école, de la scolarité, mais c'est vrai que d'avoir accès à la ligne éditoriale d'un média, c'est pas forcément simple. Est-ce qu'on n'aurait pas moyen de mettre un dispositif en place pour que la ligne éditoriale d'un média, quel qu'il soit, soit clairement accessible à l'ensemble des concitoyens ? Merci, Madame la députée. Sylvie Bonnet. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, à l'exception des journaux télévisés, les magazines et documentaires d'information diffusés sur les chaînes sont tous achetés à des sociétés de production qui forcent les journalistes à se déclarer comme auteurs-réalisateurs, collaborateurs artistiques ou scénaristes, leur refusant l'application de la convention collective des journalistes avec les salaires, l'ancienneté et la protection qui vont de pair. Ces journalistes, contraints et forcés à être des artistes, sont payés au forfait dans des entreprises qui ne déclarent que la moitié des journées travaillées afin que France Travail finance le reste. Les journalistes réalisateurs de télévision ont perdu 30% de niveau de vie en 20 ans. Résultat, nombreux se voient retirer leur carte de presse, des dizaines abandonnent chaque année, se reconvertissent, et les diffuseurs et les CNC sont parfaitement au courant de cette disparition programmée et accélérée d'une profession. Selon vous, comment le statut de journaliste pourrait-il être mieux protégé ? Merci. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent poser des questions et qui n'étaient pas inscrits ? Non, c'est bon. Donc, mesdames, c'est à vous de répondre en fonction de votre domaine de compétences. Alors, je vais répondre peut-être d'abord à la question de Mme Céline Calves. Merci pour cette question. Alors, vous avez distingué l'amont et l'aval, qui était une distinction que nous faisions déjà avec Joël Farchi dans le rapport que nous avions fait pour le ministère de la Culture en 2019 sur l'intelligence artificielle et la culture. À l'époque, c'était un peu de la science-fiction, mais en tout cas, on pressentait qu'il allait y avoir des incidences. En amont, vous avez compris tout l'enjeu de l'utilisation de contenus protégés. C'est un enjeu de rémunération pour la presse, pour tous les titulaires de droits. Il y a ici un enjeu de rémunération. Et lorsqu'on voit, et vous en faites état de manière assez différente et variée, mais lorsqu'on voit l'état de la presse et sa fragilité économique, eh bien, il est important de préserver cette chaîne de valeur. Et donc, en amont, de permettre la rémunération des contenus qui sont utilisés par une intelligence artificielle. Et puis ensuite, le sujet, c'est comment on permet cette rémunération. Et là, vous avez mentionné l'infrastructure technique.
que l'on propose dans le rapport de la commission interministérielle de l'intelligence artificielle. Quelle est cette idée qu'on espère voir financée par l'État? L'idée, ce serait de mettre en place donc une sorte de plateforme d'intermédiation qui, au départ, parce qu'il faut inspirer la confiance, et au départ, les données qui seraient sur cette plateforme seraient en effet des données qui sont fort utiles pour les fournisseurs d'IA, mais qui sont des données libres de droit, ce qu'on appelle les données patrimoniales, les données libres de droit. Donc pas de données, pas de dépôt légal, pas de voilà, donc des contenus sur lesquels il n'existe plus de droit d'auteur ou de droit voisin du droit d'auteur. Première mise à disposition. Et si cela fonctionne et si les titulaires de droit font confiance à cette infrastructure qui devra être prise en main évidemment par le ministère de la Culture, eh bien peut-être auront-ils tout intérêt eux aussi à y verser éventuellement des contenus. Ou en tout cas à y mettre des informations à la fois sur le droit d'opposition, mais aussi sur le fait d'accorder d'éventuelles licences qui pourraient être des licences, donc des autorisations d'utilisation contre rémunération, des licences qui pourraient être sur des masses de contenu, sur des catalogues éventuellement. Donc ça pourrait se faire en deux temps. D'abord, des contenus qui ne sont pas sous droit. Une fois l'infrastructure installée, et on a recommandé que cette infrastructure se mette en place très vite, sous le délai d'un an. Évidemment, c'est très, très ambitieux, mais pourquoi pas? Enfin, on a le droit de rêver. Et si cette infrastructure est en place, eh bien, peut-être pourra-t-elle servir à la négociation pour les partenaires privés. Donc ça, c'est toujours ce sujet de l'amont. Ensuite, sur l'aval. Sur l'aval, dans le rapport IA et culture de 2019, j'avais dressé une typologie des solutions, puisqu'à l'époque, c'était vraiment ce qu'il fallait s'interroger. On était très en amont. Le sujet est le suivant. Pour moi, il est très important de ne pas disqualifier les créateurs. Qu'est-ce que j'entends par disqualifier les créateurs ? Il est très important que les créateurs aussi se saisissent de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'on incite tout le monde à utiliser l'intelligence artificielle, mais qu'on dise aux créateurs, ah non, non, si vous utilisez l'intelligence artificielle, alors là, vous serez plus protégés. Non, il n'y a pas de raison. Donc, pour les inciter à utiliser l'intelligence artificielle, à mobiliser pour s'augmenter eux-mêmes, comme tout le monde est appelé à s'augmenter par l'utilisation de l'outil, eh bien, il faut leur permettre que la qualification soit claire. C'est-à-dire, lorsque la production, lorsque le contenu est assisté par une IA et qu'il y a toujours un créateur qui mobilise sa personnalité pour ce contenu, alors il ne faut pas risquer de disqualifier ce créateur. Il est auteur, il doit être protégé, c'est une œuvre de l'esprit. La question doit être posée pour les productions qui sont intégralement générées par une IA, c'est-à-dire sans intervention originale de la part d'une personne physique. Pour ces productions générées par une IA, évidemment, là, on a un sujet. Elles ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, au niveau international, exige une certaine créativité et la présence d'un auteur, personne physique. Ici, on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces productions générées? Certains secteurs poussent pour qu'un droit soit reconnu, notamment les secteurs, étonnamment les secteurs de la tech, sont très en faveur de la reconnaissance d'un droit parce que les développeurs utilisent beaucoup pour coder l'intelligence artificielle. Et donc, il pourrait y avoir ici une fragilisation de ce secteur. Donc, est-ce qu'il faut une nouvelle réservation, un nouveau droit? Est-ce que ces productions générées tombent dans le domaine public, juste le domaine public, et donc elles ne sont pas protégées, tout simplement, parce que ce ne sont pas des créations humaines et que la propriété intellectuelle a vocation à protéger des créations humaines. Alors, est-ce qu'on doit se tourner vers un domaine public payant? C'est une idée qui a été développée en son temps par Victor Hugo, le premier à évoquer l'idée d'un domaine public payant, assez difficile peut-être à mettre en œuvre. Est-ce que ce sont les outils qu'on connaît qui pourraient venir pallier l'absence de réservation, le
le droit de la concurrence au sens large, c'est-à-dire les agissements parasitaires, la concurrence déloyale. Voilà, donc est-ce qu'on mobilise des outils de droit commun ? Bref, on a un certain nombre de propositions en tête. C'est quelque chose qu'on devra évaluer, je pense, plutôt à moyen terme. C'est-à-dire que l'urgence aujourd'hui, c'est la survie d'un secteur. Donc c'est la rémunération de ce secteur. Et puis sans doute qu'à moyen terme, on se réinterrogera à partir de ce premier rapport. Eh bien, on se réinterrogera sur l'aval. Mais de toute façon, cette interrogation ne pourra pas être... Enfin, on ne pourra pas mettre en place un régime franco-français. Hein. C'est un sujet qui sera sans doute évalué au niveau européen, ce qui ne nous empêche jamais de raisonner au niveau franco-français. On a eu quelques succès, l'article 17 de la directive et d'autres succès, les droits voisins des éditeurs de presse. Un certain nombre de dispositions en droit d'auteur proviennent de la France. Et donc, notre avance sur la réflexion sur ce sujet nous permettra sans doute d'être force de proposition. Je crois qu'il y avait une question sur l'information sur les réseaux sociaux, l'influence sur la qualité de l'information, elle est incontestable. Le problème, c'est qu'on est dans... L'information est devenue... Alors, l'information, entre guillemets, elle est devenue obèse, parce que ce n'est pas une vraie information, en réalité. Et on a un problème de hiérarchisation de ces informations. C'est-à-dire que vous allez, les jeunes mettent tout au même niveau et ne comprennent pas tout l'intérêt d'une vraie information qui est vérifiée. Et je crois que, malheureusement, on ne passera pas, on ne pourra pas échapper à une labellisation de l'information, la vraie information en réalité, celle qui dont l'origine est et respecte la charte de l'information, la vérification, l'indépendance, etc., etc. Donc je crains que malheureusement on doive désormais expressément indiquer ceci est de l'information, ceci n'en est pas. Voilà, après on c'est à discuter, hein, mais en tout cas, ça, c'est ma conviction. Peut-être un mot sur les GAFAM. J'ai entendu sur le DMA, le Digital Market Act, donc ce règlement européen. Dans le rapport de la Commission, nous considérons qu'il faut le compléter, sans aucun doute, en particulier parce que tous les acteurs du numérique aujourd'hui font de l'intelligence artificielle et que ce DMA, finalement, n'est pas adapté, ne prend pas en compte la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, que ce ne sont pas des plateformes en tant que telles. Et donc, il faudrait le compléter, sans doute peut-être aussi... Moi, je crois beaucoup à l'influence du droit de la concurrence. Je crois beaucoup à l'assainissement du marché par la mise en œuvre du droit de la concurrence. On a peut-être été timide dans cette mise en œuvre à l'échelle européenne. Et on a des outils. Il ne faut pas s'en priver. Et s'il y a besoin, il faut les compléter. On a sous nos yeux des exemples de position dominante, de concentration. Il faut absolument, et il en va... De notre démocratie, il en va aussi de notre économie, eh bien, nous devons mettre en œuvre ces outils et au besoin les adapter. Et je pense notamment au DMA à compléter pour prendre en compte la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Voilà, peut-être sur le reste, Camille, tu auras plein d'idées. Merci, Madame Bensamoun. Madame Broyel. Merci. J'ai un peu rassemblé vos différentes questions. Je crois qu'il y a un volet économique important dans ces questions et d'autres plus distanciés de la question économique. Au sujet de cette exigence des 80%, c'est ça de... Je ne sais plus qui m'a posé la question. 80% ou 20%, c'était ça la question qui était posée sur la répartition. Est-ce qu'on autorise ou non des médias étrangers ? Et est-ce que ce seuil des pas plus de 20% de propriété étrangère applicable à la télévision et à la radio, est-ce qu'il doit être appliqué, étendu aux autres médias ? Ben, oui, enfin, ça me semble important parce que ça peut éviter aussi que des...
il y a eu des rumeurs sur ce sujet de chaînes de télévision qui comptaient pouvoir vendre à des opérateurs étrangers et s'installer et devenir des chaînes, pas des chaînes de télévision, des services de vidéo à la demande, des plateformes, et qui échapperaient donc à cette exigence de propriété largement à 80% française. Et ça, c'est évidemment une vraie question quand on connaît, quand on mesure l'influence des médias et que l'influence... Tout à l'heure, Tristan Azzi parlait de la frontière très ténue des différents services audiovisuels. Et c'est vrai que, par exemple, entre une chaîne linéaire, les services de vidéo à la demande, c'est facile si l'on pense à des services du type Netflix, mais des services comme Brut, sont plutôt des services de vidéo à la demande, mais qu'est-ce qui les distingue vraiment de la presse? Là, il y a tout un travail de définition et de délimitation de ce qui relève ou non du secteur audiovisuel qui est très important, parce que les régimes juridiques sont très différents. Donc, pour revenir à cette règle de propriété française, oui, il est important, je crois, de l'étendre aux autres types de médias audiovisuels, notamment aux médias de vidéo à la demande, qui peuvent totalement faire de l'information, totalement, qui peuvent devenir des médias d'information. On peut avoir imaginez un service de vidéo à la demande qui soit un service de vidéo d'information, ça existe. Donc ça, ça me semble important quand on mesure la puissance des ingérences étrangères. Elle est considérable. Une question a été posée aussi sur est-ce que les règles de concentration devaient prendre en compte d'autres formes d'expression publique comme celles de l'édition, par exemple. Moi, j'ai tendance à penser que oui aussi, que les lieux d'expression publique sont en France, mais comme dans la majeure partie des démocraties occidentales, les États-Unis faisant figure d'exception, mais d'exception exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il y a peu de modèles américains de ce type dans le monde, les lieux d'expression publique sont réglementés, parce que nous considérons que l'expression publique, c'est c'est la voix de la communauté, elle reflète et fabrique l'opinion, et quels que soient les lieux d'expression publique, elle est réglementée, cette expression publique. Elle l'est pour les individus aussi, avec la loi de 1881. Pour les États-Unis, ce serait aberrant, une loi de 1881 qui réglemente l'expression publique. Nous, on le fait à l'échelle individuelle, pour l'individu. Pas de propos racistes, pas d'incitation à la haine, pas de négationnisme, parce que ça porte tort à la société tout entière. Je crois que dans notre réglementation d'expression publique, il y a la volonté de nourrir, de raffermir le lien social, et on appréhende l'expression publique, le droit positif appréhende l'expression publique comme un lieu de renouvellement et de la cohésion sociale et du projet de notre communauté tout entière. Donc à partir du moment où on est clair avec l'idée selon laquelle l'expression publique doit être réglementée, et qu'il ne s'agit pas et que, a fortiori, l'expression publique des médias doit être réglementée, on peut très bien considérer que tous les médias doivent faire l'objet d'une réglementation, avec évidemment des nuances qui sont nécessitées par la forme du média, la forme particulière. Il s'agit pas, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faudrait réglementer la littérature. Bien sûr que non, mais je parle de la concentration. Est-ce qu'il faut inclure ou non les éditeurs de livres dans les règles de concentration? Moi, ça ne me semble pas absurde. Les tuyaux aussi, vous avez parlé de ça, des concentrations verticales. Un éditeur qui fournirait donc du contenu et en même temps serait maître
des tuyaux, des réseaux qui fournissent les contenus. Là, ce que sont en train de faire les plateformes américaines qui créent leur propre tuyaux sous-marins, leur propre conduit sous-marin pour ne plus dépendre des opérateurs de communication électronique. On peut évidemment que ça pose des difficultés. Normalement, ces difficultés, elles sont réglées par le principe de neutralité du net. Le principe de neutralité du net est plus généralement le principe de l'obligation de transporter sans discrimination tous les contenus. Donc, normalement, imaginons un éditeur qui crée ses propres réseaux de communication. Il devient, avec ses réseaux de communication, un opérateur de communications électroniques. Et donc, il serait tenu à ce titre, je crois, d'ouvrir son réseau aux autres. Là, c'est exactement ce qui s'est produit en matière de télécom. En matière de télécom, qu'est-ce qu'on a fait ? On a imposé à Orange, France Télécom avant, d'ouvrir, de permettre aux autres opérateurs d'utiliser ses propres réseaux. Donc, si on admet cette concentration verticale, le filet de sécurité, c'est d'imposer une obligation de transport sans discrimination. Et à mon avis, le droit positif est déjà engagé en ce sens. Il le pose déjà. S'agissant du financement du service public et la question, je crois, qui était de savoir si une budgétisation, le fait que l'audiovisuel public soit financé par le budget, est-ce que ça ne ferait pas de ce média public, cette télévision et cette radio publique, un média de l'État. La question s'est posée en Allemagne à propos de RFI. Je n'ai pas su. Oui, il y avait une. C'était, oui, c'était ça. C'était lorsque la redevance avait été supprimée. Comment ? C'est devenu un média gouvernemental. Et ça, en Allemagne, les médias gouvernementaux étaient. Je ne me souviens plus très bien le Oui, ils ne sont pas classés de la même façon, c'est pas le même. Il y avait quelque chose. Non, les ondes. C'était une question d'attribution des fréquences, je crois. Alors, il me semble que la question principale pour le financement de l'audiovisuel public, c'est quelles que soient les formes qu'il emprunte ce financement, c'est qu'il soit suffisant et pérenne et stable. Et ça, c'est aussi imposé dans le Media Freedom Act. La jurisprudence constitutionnelle exige un financement suffisant de l'audiovisuel public. Le Media Freedom Act ajoute une exigence supplémentaire suffisant et prévisible et stable. Et c'est vraiment ça qui est fondamental. Ensuite, il y avait une autre question sur qui concernait les outils de mesure. Et l'exemple que vous preniez, monsieur, ça ne correspond pas à ce qui nous attend, pour le dire simplement, depuis la décision du Conseil d'État. Enfin, c'était l'objet en partie de mon propos préliminaire. Je ne crois pas du tout, et je crois même inexact, de penser que cette décision du Conseil d'État impose le fichage et le décompte des intervenants qui parlent à l'antenne. Et il ne l'impose pas parce que, précisément, le Conseil d'État ne sait pas. Il aurait pu avoir un outil très simple qui aurait été, encore une fois, de dire... Les personnalités politiques, ce sont toutes les personnes qui font de la politique. Donc, il faut prendre en compte tout leur temps de parole. Ce n'est pas du tout ce qu'a dit le Conseil d'État. Et avec l'outil dont j'ai évoqué, qui serait un outil qualitatif et qui serait de nature à mesurer, mais pas
avec une granularité faible, mesurée d'avion, c'est-à-dire de loin. Est-ce qu'il assure ce média le pluralisme ou est-ce qu'il ne l'assure pas du tout ? Le risque que vous évoquez ne se produit pas. Et je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'assez, comment dire, d'assez paradoxal entre quand on voit un vrai média d'opinion, et un vrai média d'opinion, c'est un média idéologique qui n'assure pas le pluralisme. C'est ça, en fait, finalement, ce sont ça les vrais médias d'opinion. Enfin, les purs, plus exactement, les purs médias d'opinion, ce sont des médias qui assènent, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein, mais qui assènent une idée sans contrepoint, donc qui n'expriment aucune forme de pluralisme. Lorsque l'on a affaire à un média d'opinion de ce type-là, presse écrite ou média audiovisuel, immédiatement, sans avoir une sensibilité politique exacerbée, on le sait. Et on ne peut pas dire d'un côté que cette perception est évidente et d'un autre côté dire on ne peut pas créer l'outil. Si, on doit créer un outil qui mesure cette perception évidente. Et encore une fois, lorsque vous voyez une affiche, voilà, par exemple, une affiche, un visuel antisémite, raciste, vous le repérez immédiatement. Et vous n'avez pas besoin de vous abriter derrière des critères objectifs. Nulle part, il est écrit que dessiner un juif avec un grand nez, c'est antisémite. On le sait tous. Il existe des critères qui sont dégagés de la société, qui nous permettent à nous tous d'identifier ce qui est antisémite, ce qui est raciste, ou, sur un plan complètement différent, ce qui est un média de pure opinion qui exprime une idéologie. Et il faut pour cela créer des standards. Quels sont les standards dans une société donnée de ce qu'est un média d'opinion et adopter un outil qui permette d'utiliser ces standards. Et je crois que l'enjeu est tellement important qu'on ne peut pas s'arrêter devant ce type de considération. Et j'ajoute, je sais que ce n'est pas la question qui m'a été posée, mais j'aimerais quand même le dire, que... on parle beaucoup, je reviens toujours à cette décision qui concerne CNews, de liberté d'expression des médias. Il faut bien qu'on réalise bien que ce n'est pas une façon de poser la question, de poser bien les termes. Il ne s'agit pas de liberté d'expression des médias. Les médias, toute leur réglementation, elle est entièrement dirigée vers le public. Parce que en France et dans la plupart des démocraties, on a un projet social qui est qu'on vit ensemble, on forme une communauté et il doit régner une cohésion sociale et que le public doit être informé pour décider seul, pour voter de façon éclairée également. Et donc, tout le régime juridique des médias est dirigé vers cet objectif-là, vers le public. Il ne s'agit pas de permettre l'expression de l'émetteur, c'est une considération, bien sûr, mais c'est permettre au public d'être informé. Et le pluralisme est entièrement au service du public. Donc, la liberté d'expression des médias, ce n'est pas la liberté d'expression de l'individu appliquée aux médias. Cette formule, elle n'est pas de moi. Il y a un auteur italien, Damian Tambini, qui a écrit un très bon livre sur cette question, sur ce sujet-là, et qui le démontre parfaitement. Et donc, ce qui explique que la liberté des médias, que les médias soient plus protégés, les aides à la presse, pourquoi on aide les médias ? Pourquoi on aide la presse ? Il n'y a aucune raison d'aider la presse. Pourquoi la presse plus qu'une autre activité ? On l'aide uniquement parce qu'on considère que la diversité des titres de presse est bonne pour le public, elle est bonne pour la communauté. Et ce qui explique aussi la liberté des médias et leur vocation sociale et politique, que leur liberté d'expression, leur liberté éditoriale, elle est contrainte, oui, elle est contrainte. Elle est plus contrainte qu'un individu, que la liberté d'expression d'un individu, parce qu'ils ont un rôle social et que ça implique des responsabilités. Alors, Jean, à propos justement des médias dans l'environnement... Trop long.
encore quelques minutes. Mais oui, bon. Oui. Mais c'était le petit aparté. Ah, tout à fait, mais c'est très, très intéressant. Je ne veux non, bien vous, sûr, je comprends. Je ne vais pas vous couper le micro, promis. très rapidement, les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux, juste, ça sera mon dernier mot, attirer votre attention sur, on parle beaucoup du phénomène d'invisibilisation des médias par les réseaux sociaux. Il y a un autre phénomène qui est exact, et là, ce sont les mesures dont je vous ai parlé, qu'on a déjà évoquées, d'accorder plus de visibilité aux médias sur les plateformes numériques, sur les réseaux. Il y a un autre phénomène qui est peut-être encore plus pernicieux et auquel il faut faire très attention, c'est que les réseaux sociaux amplifie l'impact des médias traditionnels. Et la Fox News, son effet n'aurait pas du tout été celui qu'elle a produit s'il n'avait pas existé le relais des réseaux sociaux derrière. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'idée selon laquelle maintenant c'est fini les médias traditionnels parce que on s'informe sur Internet. D'abord, on s'informe sur Internet et l'information, elle provient toujours aussi des médias traditionnels. Et surtout, les médias traditionnels, plus que jamais, on doit être vigilant parce qu'ils bénéficient d'un écho absolument considérable avec les réseaux sociaux. Je crois que je dois m'arrêter. Il y avait sûrement d'autres questions, mais je ne sais plus. A priori, le statut du journaliste. Voilà, j'ai noté toutes les questions et justement, je voulais vous réinterroger sur le statut du journaliste, qui était aussi une préconisation du rapport que nous avons émis avec mon collègue Iñaki Etxaniz sur l'évaluation de la loi Bloch. C'était est-ce qu'il fallait réinterroger, alors on ne l'a pas formulé comme ça, mais c'était l'idée, le statut du journaliste, en tout cas pour clarifier et pour donner à ceux qui regardent notamment la télévision, mais même ceux qui écoutent la radio, le fait de savoir qui émet. Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un influenceur? Est-ce que c'est un expert? Et ça faisait partie des recommandations que nous avions formulées. Oui, et puis ça me rappelle une autre question sur la ligne éditoriale, cachée ou non. Le statut du journaliste, je serai rapide, je ne suis pas du tout spécialiste, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas à la fois promouvoir les médias traditionnels sans promouvoir la fonction de journaliste, promouvoir, renforcer la formation, parce que finalement, les journalistes, on leur donne tout repose sur eux. Le destin de la démocratie repose sur eux. Donc forcément, il faut aussi renforcer la formation des journalistes aussi, qu'ils soient bons, parce que si les journalistes commencent à ne plus être bons, là, on est perdu. Et aussi l'attractivité du métier, ça, c'est certain. Sur la ligne éditoriale, est-elle cachée ou non? Alors ça, c'est un autre problème aussi qui est majeur, c'est que non seulement les chaînes d'opinion, dans l'état actuel, les chaînes et les médias audiovisuels d'opinion en l'état actuel ne sont pas autorisés, mais même s'ils l'étaient, ce qui est le plus dangereux est le fait qu'ils interviennent masqués. Et on peut voir déjà des chaînes de la TNT qui prétendent faire du divertissement mais qui font totalement de la politique. Et là, c'est vraiment ça, c'est aussi une question enfin absolument majeure, qui est de, à condition, parce que pour l'instant, dans l'état du droit positif, les chaînes d'opinion et les médias d'opinion sont interdits, mais dans la pratique, ils existent, et ils existent aussi dans des formats qu'on n'attend pas. On ne s'attend pas avec du divertissement à ce que de la politique soit faite sous couvert de divertissement. Donc ça, évidemment, la transparence est quelque chose de fondamental. Merci, Madame Royel. Madame Bensamoun, vous souhaitiez ajouter? Oui, peut-être juste d'un mot sur le statut des journalistes. Je crois vraiment qu'il est très important qu'ils soient identifiés comme tels et que leur responsabilité soit du coup engagée comme telle. Parce qu'on a une forte responsabilité, parce qu'on a une mission, parce qu'on a des obligations. Et je crois qu'il faut vraiment tracer les frontières de ce point de vue-là. Et sur ce sujet, je suis très d'accord avec une distinction plus ferme. Sur la ligne éditoriale d'un média, je m'interrogeais, alors
l'idée, c'est de développer des standards, des outils pour mesurer ce pluralisme. Est-ce qu'on ne pourra pas un jour se servir de ces outils pour inventer, tout ça reste à réfléchir, hein, pour inventer une sorte de système d'étiquetage à la manière du PEGI, le système européen sur les jeux vidéo. Voilà, donc à réfléchir, est-ce que cette standardisation qui va nous permettre de mettre en œuvre ne pourra pas servir aussi à une révélation de la ligne éditoriale de manière très visible, hein. Le système PEGI, vous savez comment c'est, hein, y a des couleurs, des numéros, et, voilà. Gros travail. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Je remercie aussi Monsieur Tristan Azzi qui a dû nous quitter, il nous l'a dit, puisqu'il donnait un cours. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Merci aux collègues pour les questions. Mais je dois vous garder encore quelques instants, mes chers collègues, parce que nous avons une désignation à faire. Mais en tout cas, moi, je tenais à effectivement vous remercier pour ce que vous nous avez indiqué et donné, et notamment sur tout ce qui était préservation de la chaîne de valeur et la pluralité. Nous en avons beaucoup parlé et débattu ce matin. Et vous nous avez finalement renvoyé à nos responsabilités avec l'adaptation de nos outils législatifs européens, souvent, nationaux parfois. J'ai bien retenu aussi qu'il y avait des problématiques sur lesquelles on devait travailler, notamment sur l'éditorialisation, de savoir aussi qui aimait. On en vient de terminer là-dessus. Et puis, pour que finalement, ce serait peut-être en guise de conclusion, une bonne appropriation de chacun et chacune de l'IA, que ce soit du côté des médias que du côté de ceux qui, finalement, utilisent ou consomment du média. Et quand je dis consomme, il n'y a pareil aucun jugement de valeur, mais c'est le fait d'avoir accès ou non à cette information. Et, mes chers collègues, nous allons procéder à une désignation, puisque nous devons étudier en séance publique le 8 avril la loi sur l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien. C'est une loi adoptée par le Sénat et elle sera en commission la semaine précédente. Et j'ai reçu la candidature de Madame Virginie Lanlot. S'il n'y a pas d'opposition, elle est désignée rapporteure et je vous remercie. Et je vous rappelle aussi, comme vous avez dû le voir, enfin je l'espère que vous l'avez vu sur le prévisionnel de la convocation rectifiée qui vous a été adressée hier, que la commission tiendra une réunion lundi à 18h. Ce sera une table ronde sur les actes antisémites dans les établissements d'enseignement supérieur. Et elle réunira, cette table ronde, les principaux responsables des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur. Donc, ce sera à 18h lundi. Voilà. Et sur ce, mes chers collègues, ce sera... Oui, donc on me précise, Salle Lamartine. Et sur ce, mes chers collègues, je vous libère. Bonne fin de journée.